Parking central. Mettez un like sur la vidéo, les gars, ou dislike. Faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais faites quelque chose sur. Voilà, qu'on voit des pouces. Et qu'on se dise, putain, mais c'est un live très vivant, quoi. Très. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, ce fils de chien? Cours de histoire de la magie. Putain, je suis en train de rater des cours. Je suis en train de rater des putains de cours, les mecs. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Histoire de la magie, les mecs, ça peut être où? Salut Belly, un jour Belly s'abonnera à cette chaîne, les gars, je vous le dis. Skinner! Ma petite plume, merci, Pextro! Qui envoie son prime. Bonjour, monsieur Damon. Allez, je vais savoir. Bonjour, c'est quand le cours d'histoire de la magie, je pourrais savoir, s'il vous plaît? Bah, il est déjà fermé. D'ailleurs, Damon, bon courage. D'accord. Ouais. Il y a ta dame qui est revenue aussi ou pas du tout? T'as dit petite, t'es jolie. Elle est passée, il y a un petit peu. C'est parce que t'as fait... Non, c'est pas un quel bâtard. Oh, l'enfoiré. Oh, Damon. Elle est chaude, non? Je la mets... Enfin, je la... Je voulais te dire, c'est la première fois que je vois un feu comme toi, qui a les cheveux qui ressemblent, on dirait de la paille, mais c'est joli. J'ai passé en Afrique. D'accord. C'est gentil. Monsieur Dia, je vous jure. J'ai rien fait. Dia, c'est toujours à faire des bêtises. J'ai volé. J'ai rien fait. Madame, il s'est enfui. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Mais oui, je vais rattraper. Tu penses arriver à mes fins avec une fille ce soir, c'est compliqué. Sky. Non mais c'est pas possible, toi tu comprends le français, toi là-bas. Vas-y, c'est Julia. Non, bah ça c'est ton préfet qui écrit, je crois. Monsieur Dia, c'est quelqu'un peut mettre un éverté, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir, lancez-moi un éverté. Oh ouais. Oh, pardon. Quelqu'un qui m'a frappé le blanc, là, sale blanc, là, c'est quoi ça? Ça revient au même à récupérer sa truc. Mais non, c'est pas la merde. C'est qui le blanc qui a fait ça, là? J'espère que vous avez récupéré votre bague. Free spell direct. Désolé, madame, c'était trop... Il est passé devant mon sort. J'en ai rien à foutre. Il a décollé. C'est devant mon sort, t'as décollé. Désolé, t'étais whippy. J'en ai rien à foutre. Raté. Ouais. Mais je veux savoir là. Ah oui, merde, excuse-moi, c'est en... Allô, tu m'entends? Ouais. Merci Orbert en tant que pilier. Ouais, j'ai pris un fispel ouais, à l'instant. Je comprends pas parce que j'étais dans les couloirs, je sais pas ce qu'ils font, ils s'amusent. Et du coup, je prends full prix free spell. Tu peux regarder dans les logs qui m'a fait ça pour savoir quelle est la raison. Ouais. Bakary. En tout cas, c'est un free spell qui m'a mis à terre, hein, ça c'est sûr et certain. J'ai mis au moins 5 secondes pour me relever. Merci à ceux qui s'abonnent, les gars, attendez. Attends, ouais, tu m'as dit quoi? C'est Rezel qui t'a... Ok, ouais, ouais, c'est lui, ouais. Tu peux juste lui, que je lui parle, quoi, ou tu lui parles, tu lui expliques le règlement, parce qu'il y en a, c'est... Ouais, Rezel. Ça va être bon. Rezel, ouais, on t'attend. T'es là, on te parle. Ah oui, d'accord, en fait le bâtard il s'est muté quoi. Pour pas su. Si t'es pas là, je vais devoir te warn. Hein. Si tu peux pas t'expliquer. Oh, warn gratuit. Warn. Oh oui, c'est warn déjà lui. Merci. Déjà non, mais c'est courant là. On peut même pas aller dans les couloirs tranquillement sans se faire space spell quoi. La technique de l'AFK, on la connaît, Razel. C'est dommage hein, que tu. En plus, tout le monde, on t'a prévenu. En plus, tu bouges et tu fais. Ah non, là j'ai bougé, c'est moi qui l'a déplacé avec le physique. Okay. Non, mais tu pouvais bouger dans les couloirs il y a moins de 2 minutes, donc je comprends pas pourquoi j'étais justement un spec dans les couloirs. Oh, la technique de l'AFK, tu vois ça, putain, c'est incroyable. Hein. Je pensais pas qu'il y en ait qui le feraient encore, hein, alors que ça, tout le monde l'a averti sur Discord. C'est un pote à Jojo en plus, je comprends pas pourquoi. Oh, il y a Miralex, les gars, ça, qui renvoie de la thune. Merci beaucoup, comme hier, encore une fois, merci les gars. Et merci à celui qui m'a fait un don de 666, c'est Zpix. Je vais encore. Zpix, j'ai demandé à YouTube, je les ai harcelés encore ce matin, je vais encore harceler demain pour qu'ils mettent les subgifts, t'inquiète pas, Zpix. Orbea. C'est casse-couille, je vais voir s'il a fait à d'autres gens. Merci pour le tiers 2. Et merci Miralex pour les euros. Ouais, au pire, tu le restes. Tu me préviens, tu me switches dès qu'il est à nouveau là, et comme ça, parce que je comprends pas pourquoi ils font ça. Ok, ok.
Mais là, c'est vraiment une perte de couilles, hein, mec. Hein. Je te jure qu'il y en a qui s'amusent à le faire en plus, hein, Lucas. Hein. Ouais, je sais, ça m'est arrivé quelques fois. Ils bougent pas et deux coups, quand je leur dis, ouais, je vais te prendre, si tu réponds pas, ils se mettent à bouger. Pire de bouliche. Ouais, vas-y, je te retourne. Bah, merci, c'est gentil, c'est compréhensif. En tout cas, très compréhensif le staff, comme d'habitude. Et je voulais savoir, il n'y a pas un livre d'or sur le Discord, genre on donne nos avis sur les différents modos, staff genre on écrit un commentaire et tout. Je crois pas vraiment, il n'y a pas d'endroit spécifique. Et tu peux pas voir avec le Discord, l'admin ou le Fonda pour mettre ça en place, comme ça on dit ouais, on met des commentaires positifs quoi. Ouais, je pourrais le mettre dans un sujet pour la prochaine réunion, ouais je pourrais. Ok, comme ça nous, ouais, moi à chaque fois j'essaie de me rappeler, mais et comme ouais, ça c'est on se dit ouais putain, ah ouais c'est bon, on est tombé sur un bon staff, lui au moins ce soir ça va bien se passer. Ouais, je suis... Bah t'inquiète, je vais le suce. Vous voulez que je continue à le sucer et on verra si ça se fait. Ok, non mais c'est cool. Bah en général j'ai pas eu de problème avec les gens du... Enfin les staffs, ils sont très, très réactifs et en général très compréhensifs. Et toi, bah modèle, parfait, c'était nickel. Ah merci beaucoup BG. Pas de soucis, je vais faire mon RP tranquille. A plus tard. Je voulais savoir c'est quand les cours. De quoi? Je m'appelle Bakari, je vais savoir les cours. Les prochains cours. Tu peux me guider? Tu cherches où il est le cours? Oui, je sais où il est le cours. Ça va ou quoi là? Alors, histoire de la magie, j'y vais jamais, donc je saurais pas te dire où c'est. Le prochain cours, mais c'est quoi? Mais normalement, c'est méta, c'est méta. Méta, c'est là-bas. C'est où l'histoire de magie? Histoire de magie, je vais faire. C'est ici à gauche, là. C'est une des salles ici à gauche. Y'a personne. L'enceinte de Poudlard. Du coup, tous les petits. Bonjour, messieurs, bonjour, les élèves. Je me présente. Bonjour. Asseyez-vous, sinon on part en call. Oui, mais le cours n'a pas commencé, je voulais me présenter. Oui, si, ça fait une heure qu'il a commencé pour moi aussi. Alors, du coup. Voilà pour les serpentards. Du coup, retenez que Salazar Serpentard. Du coup, il y a pas un mec qui peut venir trop. Très fort pour le Forcheland. Est-ce que t'as déjà et inventé des passages. Bah en voilà, enfin les D-Live-eux. Voilà, ça se réveille. Pour Serdeg. Putain, merci Misé pour le gros diamant. On dit beaucoup qu'elle aurait fait le plafond de la grande salle. Voilà, comme ça vous le savez. Et pour les autres, je n'ai pas plus d'informations. Pour vous, votre famille à vous, enfin votre famille, votre maison, elle aurait été connue du coup pour à votre avis, Monsieur Flanagan. Pour la cuisine. Voilà, la cuisine. La cuisine. Du coup, parfait. Pour les personnes qui viennent d'arriver, nous venons de parler de la. De la cuisine. De la cuisine, c'est quoi ça là? Pourquoi du coup. Du coup, le cours est c'est fini, Greg. Mais comme vous le savez, il y a 2 heures de sortilège. D'histoire de magie. Du coup, nous allons repasser à un autre sujet que vous pouvez connaître. Voilà, c'est cool à apprendre aussi. Est-ce que vous pouvez me parler des 4 frères? Ah oui, moi je les connais bien. Des 4 frères? Oui. De quoi il parle, ce con? Alors, il faut compter l'histoire ou... L'histoire, un résumé. L'histoire. Ou un résumé, ça peut passer aussi. Alors, les 4 frères, ce sont ce sont ceux qui ont croisé la mort en personne, il me semble. Mm-hmm. C'est ce qui me venait en tête direct. Ils avaient un problème, ils devaient... Barney, je sais ce que je veux dire, les gars. Mais le pan, il était cassé. C'est ce qui me venait en tête instant. Du coup, la mort, elle leur a proposé... une aide pour traverser le pont, peut-être C'est pas que 3 frères. Oui, c'est 3 frères, monsieur, normalement. C'est 3 frères, normalement. 3 frères, monsieur. J'ai pas répondu. J'ai dit 4 parce que j'avais en tête les 4 frères. En fait, le 4e, c'est les frères Mickey. Après, le premier, c'est les noirs. Et il y en a qui là, il fait le porno. Et le 3e, là, il fait le tatatam temporis. C'est comme ça qu'il fait. Bonne journée. Y'a pas un mec qui veut jouer, qui veut faire concierge là, les gars, c'est rapide, c'est le rôle easy à prendre, et juste il me libère quoi. Ça méritait pas un cachot, on est d'accord. Pextro ou Yaki A5 aussi, Yousti.
Ceux qui ont le grade, les gars, vous venez, vous me libérez, au pire quitte à vous prendre un ban, c'est pas grave, les gars. C'est juste pour qu'on aille vite à l'américaine. Mais il était... Mais je suis désolé, mais... Campan, dans le film, c'est un acteur porno, je suis désolé. Bon, j'aurais dit directeur de film de charme, peut-être ce serait mieux passé, ouais. Effectivement. Effectivement, mais je voulais lui rendre hommage. Et dans ces moments-là, je commence à avoir quoi, les gars ? Vous êtes d'humeur à donner de l'argent aujourd'hui, là. Qu'il se passe quoi, les mecs ? Ça donne à foison ou quoi ? Merci, le coulant. If you're 555, then I'm... Ouais, il a pas d'humour, c'est pas grave. Oh, si Goutin peut être là, les mecs, est-ce que t'as on va pas déjà se faire plier, bien sûr. Ah, vas-y, Yuriken. Et ce soir, c'est quoi, full roue libre ? De toute façon, là, on va faire pas très longtemps, si tu veux, Yuriken, vas-y, viens. Parce qu'après, je pense que je ferai vers 23h ou 22h30, 22h30 plutôt. Non, vas-y, vous voulez un petit Goutam, les gars, ou pas? Avant que... Bah, alors, on va voir dans le chat si tout le monde est chaud. Tapez Goutam dans le chat pour savoir combien de personnes veulent Goutam ce soir avec moi en compagnie de Bakary. Montrez-moi de l'envie, là, de l'enthousiasme. Putain, les gars, sans déconner. Goutam, avec nous, Goutam. Je m'appelle Bakary. Goutam City. S'il est venu la semaine dernière, les gars. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec qui s'est abonné ? C'est, non, c'est pas Pextro, c'est un D-Live que j'ai raté, je crois. Les D-Live, les... c'est Mizet qui s'est abonné pour son premier mois. Oui, on sortira dans une semaine ou deux. Dans deux semaines, on sortira la vidéo. Je la ferai monter certainement par Zeni. Il y aura peut-être une vidéo à monter. À voir. À voir, parce que si, franchement, si on la cut bien, ça se trouve d'une traite, elle la rendra très très bien. Ou sinon, elle la fera monter, je verrai avec Zeni. Je finis mon âne et je viens en roue libre, ok. Putain. Ouais, mais roue libre, je jette un peu quand même, parce qu'on est histoire qu'on ait quelques scènes, non? Tu veux pas? Il s'en fout, il va partir en roue libre. Je vais pas pouvoir le contrôler comme d'habitude. Vous savez qu'il est, souvent sans filtre, notre ami Goutam. Vous avez vu mon Twitter, là? Ça vous a fait plaisir ou pas, mon dernier tweet? La petite séquence avec DMG. En attendant. Il arrive. Allez mettre un fav ou RT, les mecs, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai ma paix Bakary. Putain, ça m'a rappelé des souvenirs, j'ai trouvé ce clip sur mon PC, les gars. Alors, attendez un instant. Merde, oula, c'est quoi cet écran d'enfer ? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, ça, les gars ? Merde, bon, c'est pas des bonnes. 5 piges que je nique le game, putain, le temps passe. Huss, huss. Ouais, t'es sérieux ou quoi, toi, Djibril? Ah, moi, je rigole pas avec des trucs comme ça, hein. Comment ça, donne-moi ta moule? Ouais, t'es sérieux ou quoi, là? T'as cru que tu parlais à une quoi, là? Mais non, moi, c'était une parodie. Ouais, c'est ça. C'était une parodie, ouais. Non, mais excuse-moi, mais t'es sérieux? Tu veux rigoler avec quelqu'un d'autre, tu rigoles avec quelqu'un d'autre. Quand tu veux, même pas avec moi sur des trucs comme ça, t'as bien compris? Ok, désolé. Là, on n'est pas. Genre, on est par téléphone. Donne-moi ta moule. Hé, hé, t'as quel âge? T'as 15 ans ou quoi, wesh? T'as cru que je sortais d'où? T'es sérieux, toi? Ok, excuse-moi. Oh, arrête de reprendre ta voix de chelou, là. Sérieux, vas-y, moi j'ai plus envie de chanter avec toi, vas-y, chante avec qui tu veux, frère. Roulis maintenant activé. T'es sérieux ou quoi? Tu crois. Tu... Limite, tu te fous de ma gueule, après tu lui dis, tu lui donnes-moi ta moule. Elle est trop conne, go roulis. Tu sais qu'elle, en plus, elle était venue me DM, elle m'avait cassé les couilles et tout, elle voulait me faire un procès au cul. Bon, ça c'est. Pas une piche que je nique le game, putain, le temps passe. Huss, huss. Donne-moi ta moule, Jenny. Oh le bâtard, il a rien à respecter. Ah putain, mais après les clips, il faisait une minute max, donc il n'y a pas la suite, Justy, malheureusement. Ouais, pouvez enlever le sondage, les gars. Oui, c'est bon, on a compris que vous voulez Goutam. Bah ouais, à chaque fois, je dois... Les gars, je passe mes journées sur à gérer mes DM sur Insta pour pouvoir pour ne pas avoir de procès plutôt et
Et c'est pas évident, en fait, c'est ma journée, ça. Il faudrait peut-être que j'embauche des avocats quand j'ai ce genre de soucis. C'est pas évident, le métier de streamer, surtout, voilà, comme moi. Fais du contenu. Oui, Ozaiden, on voit tes messages. Ne t'en fais pas. Oui, je sais que tu veux monter mes vidéos gratuitement, mais c'est très gentil. C'est très, très gentil, mon petit Ozaiden. Il était pas si immature que ça. Bon, c'est vrai qu'à par moment, il dérapait. Il fallait quelqu'un pour le cadrer, mais il était très intéressant. Vous avez la vidéo, Zeni vous la propose dans le chat s'il y en a qui veulent revoir ce troll. Il y est déjà. Ah oui, bah, il est déjà en ligne. Je sais pas, il faudrait que je fasse un appel à la communauté, les gars. Si parmi vous, il y a des avocats ou vous connaissez un avocat pour m'aider si un jour j'ai un vrai souci. Ouais, déconnez pas avec les sondages, les gars. Terminez-les si vous les lancez. Tu vas créer de l'emploi. Zarmal métier. Bon, ils se foutent de ma gueule, ces fils de chien là? Je suis pas des bannes? Vous êtes d'accord avec les mecs, normalement c'est censé me sortir de la cage, non? Mais tu bouffes des nanes tous les jours, en fait, non? Bon, quand il veut, le modérateur, là, parce que je comprends pas, là. Ou alors, normalement, bah oui, c'est automatique. Ah, bah là, il a Sojukten. Sojukten, s'il te plaît, viens avec une nouvelle IP, viens avec un nouveau compte, s'il te plaît. Et, ouais, je suis bug. Et viens jouer le rôle du concierge. S'il te plaît. T'as fini ta permanence, c'est ça? Et t'as plus de... Ouais, j'ai plus le décompte, ouais, c'est... RTP. Salut, enchanté. Je te fais ça. Et voilà. Merci, j'ai eu affaire à qui? C'est qui? Ah. C'est Sky. Ah, merci Sky, c'est gentil. Pas de soucis. Parce que j'ai vu un autre modérateur. C'est bon, bah bon, bonne administration. Merci. Oui, c'est chiant, je sais. Je les déboule. Moi, je suis mon personnage Bakary, c'est un lécheur de stérilés. À partir de maintenant. Nous allons faire... J'aimerais trop avoir des OPSP comme ça, tu vois. Vendre des stérilés ou du matériel à exciser. Ça passe sur Twitch, ça? Pardon. C'est gênant. Moins 5% sur les... sur le scalpel. Allez, pète tes victimes. Salut, Madmad. Merci pour l'abonnement, Madmad. Je suis en train de rater des cours depuis tout à l'heure, là. Attends, l'histoire de la magie, c'était pas ici? Ah bah, ils ont fini. Ouais, calme-toi, Zeni. Là, t'es en excès de confiance. Ouais, mollo sur le caps lock. Et... On est à ce style-là. Monsieur Foster, j'ai besoin d'un soutien émotionnel, là, s'il vous plaît. Faites-moi un bisou. Non, mais dites-vous, madame Mam, que... Je voulais vous parler, oui, je voulais m'entretenir avec vous. Venez. Attendez, je dis quoi? Je dis que je suis victime de racisme. Madame Cito, vas-y, du coup. Je voulais vous dire que je suis arrivé. Je suis victime d'un peu de racisme. Quand ils me voient, il y a des élèves qui disent « Salard, Bamboula, ça va, Banania? T'aimes bien les bananes, les bananes ?» J'ai souffert beaucoup ça. Je peux pas balancer comme ça, mais j'ai des remarques comme ça, désobligeants. Madame, c'est hyper important, cet élève subit du racisme. Bon, attendez, j'ai une élève qui est en détresse et j'ai une qui a subi du racisme. Dis-moi tous les trucs clichés, les vannes de anti-noir quand t'es pige au collège ou au lit à l'école. Mais avez-vous reçu du racisme, monsieur Bocassa? C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive, ils me disent « Alors, ton petit déjeuner, c'était bon les bananiens ?» Après, il m'a dit « C'est comment ?» Il m'a dit « Le goûter, tu vas voir les bananes. » Est-ce que vous mangez du banania le jour même?
J'ai pas mangé ça, j'ai pas assez d'argent pour prendre des petits déjeuners. D'accord, parce que si vous avez mangé du banania, techniquement, c'est pas du racisme, parce qu'ils vous ont juste demandé si c'était... Oui, mais c'est à longueur de journée, y'a pas que ça. Attends, j'ai pas fini. Il me dit, allez, alors, allez, comment ça se passe, mais Tibakari, on t'a chié dessus. On voit que t'es dedans. On te voit pas dans le noir. Alors, Chocapicman, comment ça se passe? Il y a une odeur de vinaigre. Ah oui, Chocapicman. Il y a un gars, qui m'a, un étudiant, il m'a dit, t'es noir ou t'es sale? Souris pour voir tes dents. Potentiellement les deux. Il y a un Rookmout qui m'a dit une fois, bah alors quand tu souris, on dirait un petit bounty. C'est normal ça. Bah au moins prenez ça bien, vous êtes à croquer, monsieur Bokassa au moins. C'est gentil, mais c'est pas ça. Moi je vois ça comme dire seulement des racistes. Vous êtes vraiment professeur. Il m'a dit, après ils m'ont dit, ta maman quand elle est enceinte, c'est un kinder surprise. Attendez, monsieur Stotz, attendez, monsieur Bokassa, pardon. Répétez, monsieur Bokassa. Après ils me disent, t'es venu à Poudlard en Zodiac. Non. En quoi, monsieur Bokassa? Un Zodiac. En bateau. Est-ce que vous êtes venu à Poudlard en bateau? À vrai dire, non, je suis venu avec, comment dire, un vol charter. M'a envoyé comme ça. T'inquiète. D'accord. Ils m'ont dit aussi, continue, monsieur Bokassa. Bah alors, descends de ton arbre, petit singe. Comment c'est bien? T'as pas l'eau courante? Oui. Allez, il y a cours de métamorphose. Allez, bois de l'eau et puis ça fera de l'eau pour ton pays. Ils m'ont dit des trucs comme ça, très méchant. C'est là-bas. Ah oui, c'est qui, c'est monsieur Bokassa? C'est qui a dit ça? J'ai déjà merci. Première année, du deuxième année, des griffes en dehors, des aigles. Il y a même un serpentin. Non, alors déjà, Madame... Zachary, je vais faire prendre un truc. Ce n'est pas Gryffondor, c'est Bouffondor. C'est pas la même chose. D'accord, c'est le Bouffondor. Madame, monsieur Bokassa, sèche les cours. Après, il m'a dit, lui. Bokassa, lui, il faut que lui par exemple, cours, là, il m'a dit, j'étais un petit cricou. Il m'a dit ça, lui. Ah oui, bon, oui. Lui, Georges, là. Bon, ah, j'ai jamais dit ça, c'est la première fois que je te vois. Tu connaissais, jamais dit ça. Il y a eu des témoins. Tu dis bien comme quoi, il sèche le cours. C'est quoi ici le truc? C'est une réunion de fragiles? Oui. Bon, allez, non, je ne t'ai jamais dit ça. C'était m'a dit ça. Bakary, viens avec moi. Je ne t'ai jamais dit ça, Bakary. Ça va, Gotham? Comment ça va, Bakary? Bakary, c'est la première fois que je te vois. C'est un peu fragile. Bakary, viens. Viens, Gotham. Bakary, ne sois pas susceptible. Est-ce que tu m'as encore roulé, Bakary? Je sais, Bakary, mon petit Baki Bakou. Tu vois, il a dit mon Bakouné. Hey, tu veux pas fermer ta bouche, Georges? Dégage. Bon. Il veut plus parler. Il est mimeul. C'est bon, t'inquiète. Oh, ce que tu mets. Hey, Bakary, moi, je veux du même continent que toi. Ce que tu mets. Oh non. Gotham, personne t'a parlé. C'est quoi le coup des métamorphoses en PLA? Les canins, les petits canetons. J'ai mes petits canons, on les attrape. Bonjour madame. Voilà, merci. Attendez, je vais aller voir le point. Bakary, c'est quoi comme Bakary? Eh Bakary, fais-toi petit, moi je te le dis. Je me réveille là, je m'en dis ça. Que t'es petit, t'es menace ça. Tiens, bouché. Ah la victime, crachez-lui dessus, achète pute. Parle bien, serpentard. Sale pute. Gros chien. Sale merde, va. Je vais faire un petit peu. M'avoir défendu, merci. T'inquiète, pas de problème. Ok, l'admin est avec nous. Cache-toi, c'est ma place, c'est moi avec Bakary. Tout le monde, ça sera monsieur Verdas qui prendra le coup. Madame, monsieur Verdas, Bakary m'a tué. Il m'a mis au sol. Ah, vous a tué. M'étonnerait que vous Bakary assurez, et... serait pas là. Bah, il m'a mis au sol. C'est quelqu'un qui m'a réanimé, je sais pas. Celui qui continue à harceler le petit Bakary. C'est monsieur Roussel. Oui, c'est monsieur Roussel. Je l'harcèle pas. Je lui parle même pas. Monsieur Verdas, je tiens à vous dire. Monsieur Verdas. Attendez, tenez-vous tous. Monsieur Bakary, tenez-vous. Alors, monsieur Verdas, je tiens à vous dire que monsieur Roussel a fait des propos racistes envers monsieur Bokassa et
Comment je peux faire des propos racistes sachant que je suis de la même nationalité que lui? Comment je peux être raciste contre quelqu'un de ma même nationalité? Eh, madame, vous lui, dites. Lui, vas-y, c'est quoi, coutable, on le vas-y, on va le terminer. Bon, d'accord. Calmez-vous, on n'est pas là pour. Bakary, fais-toi petit, ce n'est pas raciste. Pourquoi tu m'aides des menaces? Bakary, fais-toi petit, ce n'est pas raciste. C'est des menaces? Non, taisez-vous. C'est pas des menaces, c'est tu parles trop pour. Taisez-vous, merci. Bon, je suis d'accord qu'il y a une dispute entre vous, mais c'est pas mon cours qu'il faut régler ça. S'il y a des magistrats. J'ai tué une tension, professeur, votre devoir c'est de prendre la sécurité des enfants. Non, c'est votre devoir de nous éduquer et d'éduquer les enfants. En cours de métamorphose. Là, je vais faire un cours. Oui, mais le cours, il doit se passer dans une bonne entente et une bonne ambiance. Sinon, vous savez, vous n'êtes pas compétent, monsieur, je vous l'ai dit. Mais vous êtes que. Je suis le fils d'ambassadeur et n'ai pas le droit de parler au prof comme ça. Il m'appelle Bakary Okasa. Il n'y a pas mal à. Non, il n'y a pas votre préfet. Quand il y aura votre préfet ou quelqu'un, ben vous irez parler à votre préfet. Moi, je veux faire mon cours. Du coup, Je vous dis, mais c'est objection, votre honneur, monsieur. Ça ne passe pas comme ça. Bon, pas comme vous voulez partir en col. Bakary, voilà. C'est bon. Ben, tu vois, il est. C'est bon, c'est bon, laissez Bakary. Laissez-le. Et c'est Bakary. C'est soit. Merci coup, de me défendre, Patrick. Vous écoutez, vous non, taisez. Pas de soucis. Vous vous taisez. On prend cette discussion après le cours. Le professeur, alors, peut-être. Je n'assiste pas à un cours là où le professeur est raciste. Je m'en vais. Au revoir. Quoi? C'est le bordel en cours. C'est un raciste. Ah ouais? Non. Ah, il y a un raciste en plus. Le professeur, il m'a viré parce que j'étais noir. Non. Il m'a viré parce que j'étais noir. Non, mais je ne peux pas aller à vos cours. Non, mais laissez Patrick, on va faire autre chose. Je m'en fous. Pourquoi vous êtes énervé comme ça? On vous a rien fait, monsieur. Parce que je suis noir, mais ça me fait en cours. Non, mais Bakary doit venir avec moi voir mademoiselle Françoise. D'accord, très bien. Je peux faire un signalement envers ce professeur. Attends, je note. Ortiz Verdas, tu vas voir, toi. Comment on a trouvé l'enculé qui me dénonçait là? Il est où, Bobby? Il est là, Bobby. Hé, Bobby! Bakary. Ah putain. Aide-moi, il veut me frapper, regarde. Vous devez aller. Il est en égo. Non, faites des tensions dans le cours. Je n'ai rien fait de tension. On m'a manqué de respect. On m'a harcelé. Vous n'avez rien fait pour me défendre. Allez faire votre cours là. D'accord. Avec les autres là. Blanc. Laissez-moi tranquille là. Bon, vous allez partir en col du coup. Je ne veux pas savoir ça. Oh là là, lui il est en égo. Je m'en fous, je vais le harceler, lui. Je vais le faire un marquage à la culotte. Là, vous avez vu, il y en a plein qui sont avec moi, les mecs. Je vais le terminer. Il fait pas son cours, les gars. On va tous là-bas, les mecs. Il ne fait jamais son cours. Venez tous sur le serveur, les gars. C'est Infinity. Je vous envoie le lien. Rien à foutre. Il ne fait jamais son cours. Attendez. Hop, ça va pas se passer comme ça. Je te le dis, moi. Alors, Infinity. Vous allez là-dessus. Vous avez Gmod. Vous vous connectez. Vous créez un perso vite fait, les gars. Et Balek, vous me terminez ce gars. Il ne fait son cours à aucun moment. Plus rien à foutre. Non mais c'est quoi ce bordel? Il est en égo pour rien parce que lui, je l'ai terminé devant tout le monde, il a la haine quoi. Bah vas-y Zeni, dépêche-toi. Bah non mais contrôle le chat quand même. Non mais c'est incroyable ça. Et vous lui dites, et tous les élèves les gars, tous les élèves vous lui dites ouais, on fait grève du cours. Tant vous avez pas présenté vos excuses, il va le faire, les gars, c'est sûr et certain. Si on est une quinzaine, les mecs, si on le serve, là, il n'y a pas grand monde, vous dites, ouais, on écoute votre cours une fois que vous aurez présenté vos excuses envers Bakary, qui a été victime de harcèlement et de racisme. Non, mais Grimjo, télécharge-le, ça, c'est quoi? T'as la fibre, go. Plus rien à foutre, maintenant. J'ai trop envie, mais vas-y, Zeni, t'as le droit de venir, si tu veux. Bon, j'espère que j'aurai pas le bug. Ça va partir en blocus, sit-in à l'ancienne. Il y en a qui ont manifesté en 2006 là contre le CPE ou pas? Le contrat première embauche. Vous vous en souvenez ou pas? C'était en 2006, j'avais manifesté dans les rues. Sérieux, Ryuken? Toi, tu dois être vieux, toi. J'étais à la fac, j'étais en deuxième année de fac, ouais.
putain, je m'en souviens encore. Les gars, je vais vous raconter un truc parce que j'étais avec David et tout, je crois. On y allait, on s'en foutait, c'est juste pour pas aller en cours. Juste pour l'ambiance qu'il y avait et tout, on tombait avec des gars, mais c'était trop bonne ambiance, on faisait des rencontres de malades, il y avait full gonzesse à l'époque, je m'en souviens encore, c'était vraiment extra quoi. En plus, moi je faisais les blocus, des fois il n'y avait rien à voir, des fois, parce que David il était parti en IUT, et j'ai fait le blocus de son IUT, lui il venait à ma fac et tout, il faisait le blocus. On bloquait ma fac, c'était énorme. Alors que le gars il avait rien à voir. Putain, ça c'était vraiment des. Après on allait dans Paris et tout, oh putain. On se faisait charger par les CRS, putain, je me rappelle. On s'est quand même fait charger par les CRS, hein. Putain. Les poubelles et les chaînes pour bloquer le lycée. Ah ouais, c'était carrément le lycée, vous. Pourtant, vous étiez pas... Ah non, c'était... Ouais, c'était pour quoi que... Ouais, peut-être les lycéens étaient concernés, mais... Mais finalement, il est pas sorti, le CPE, hein, les gars. Le contrat première embauche. Quelle connerie, putain. Salut, OKXL. Je voudrais, les gars, je voudrais une armée de concierges. Vous prenez le rôle concierge, les gars, et vous me défendez. Moi, c'était la manif dans le trou du. Bah, à Paris, franchement, c'était full ambiance parce qu'on avait rendez-vous aux Invalides. Après, à la fin, quand il y avait dispersion avec tous les CRS, oh putain, ça courait dans tous les sens. En plus, il y avait des racailloux qui cassaient les bagnoles, putain, c'était n'importe quoi, et qui agressaient des. Des whiteos, ils leur chouravaient leur téléphone portable et tout. Ils se faisaient victimax, c'était tellement. Enfin, non, c'était pas drôle, mais. C'était. Ouais, dans l'ambiance. Enfin, l'ambiance, non, c'était pas dans l'ambiance du tout, mais voilà, on assistait à des choses bizarres des fois. Mais c'était un vrai bordel. Contre mon mariage 6, le CPE c'était en 2006, si je m'en souviens, puisque je l'ai fait. Avec De Villepin, ouais. Je me rappelle les slogans. Il y avait quoi déjà? Attendez, je m'en souviens, attendez deux secondes. Aucune hésitation. Non, 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 à la précarité. Oui, 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 à plus de CDI. Des slogans comme ça qu'on sent. Ah oui, je me rappelle. Vous vous rappelez de ce slogan ou pas, les gars? Villepin, si tu savais où on se le met, où on se le met. Villepin, si tu savais où on se le met, ton CPE. Au cul. Au cul. Au cul. Ah putain, c'était ça que je me rappelle encore. Ah ouais, il y avait un truc à la con comme ça. Un pas en avant et trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Et il y avait une chorégraphie, les gars, on faisait vraiment le pas en avant. Et on recule en arrière, putain, ça c'était énorme, je m'en rappelle encore, putain. Il y avait un truc comme ça, ouais. Tiens, tiens, Bakari, alors, on fait des bêtises? Je t'assure que je n'ai rien fait, j'étais au cachot. Ouais, il y a un mec qui m'a dit qu'il y a un prof qui était raciste avec toi. Il m'a scellé, il m'a mis devant tout le monde, il m'a humilié, vraiment. On va en faire notre affaire. Très bien, il faut faire une manifestation contre le racisme et les CPI. On va faire soulever toute l'école. Oui, on y va. Rassemblement! Non, mais nous, on vivait ça comme une kermesse. Nous, on était des gamins avec David, on s'en foutait. Qu'est-ce que moi, j'étais même pas concerné, je m'en battais les couilles du CPE. Je m'en foutais. Je faisais genre des fois et tout, je manifestais avec eux pour l'ambiance, mais j'en avais absolument rien à foutre. C'était trop marrant. Bon, je suis sûr qu'il y en avait d'autres comme moi, tu vois. C'était quoi son nom, prof? Il y avait des mecs, il y avait des anards et tout, c'était trop marrant. Il ressemble à un petit pingouin violet, là, dégueulasse. Et toi, Ben? On a besoin de toi, on a besoin de toi. Est-ce que tu es contre le racisme? Tu aimes bien les noirs? On te parle. Il a dit que tu... Moi, je suis un major phoque, lui. Eh mais merde, j'ai loupé le cours de... Rassemblement, il y a des racistes dans l'école, là. On a besoin de toi, petite. En fait, je vous explique. Il y a manifestation. Le professeur, il m'a enlevé, il m'a exclus du cours parce que j'étais noir. Déjà, c'est toi qui es petit, et de deux, j'ai pas écouté ce que t'as dit. Voilà, je t'explique, je m'appelle Bakari, je suis Camerounais. Ça se voit que tu l'as pas vu tout nu. J'ai été expulsé par le professeur. Et parce qu'il est raciste, il là, a c'est dit. Que t'as fait une connerie. Il a dit non, il a dit t'es un bambou là, va prendre ton banania et retourne dans ta jungle avec ton arbre. Il m'a dit ça. Ça te fait rire en plus, sorcière.
sorcière dévergondée. C'était drôle. Tu dois terminer dans un bordel, toi. Pardon. J'espère. T'es avec nous, t'es contre nous. Eh, hey, mais qu'est-ce que tu fais, toi, mon cher Fock? Ticketus direct, c'est qui? Attends, je vais noter. Attends, Ticketus. Oh, ma tête. J'ai rigolé. C'est pour ça que. Notez bien, Jojo. Hey, tu vas ranger ta petite baguette, toi. T'arrêtes de te servir de ta baguette. Et attends. Ok, ça part. Ticketus. On demande de l'aide, demoiselle. Pourquoi vous nous frappez, vous nous violentez comme ça? Parce qu'on est différents? Parce que vous avez cherché la merde en premier, en fait. Dévergondée et qu'elle allait finir dans un bordel. Elle a une bouche, elle sait se défendre toute seule. Pourquoi tu fais le chevalier blanc? Allez, dégage. Parce que c'est une amie à moi. Il a ta friendzone, la honte. Non, je vais jamais demander de sortir avec moi. Alors elle... J'ai éternué, je suis désolé. Rejoins ton pote. Oh putain, on va rigoler. Là, on va rigoler un peu. On va rigoler. Ouais, salut. Ah, oui. C'est pas le même modérateur que j'ai eu tout à l'heure ou la demoiselle. Non, je sais, mais on m'a expliqué. Ouais, j'ai eu un souci avec deux protagonistes. Malheureusement, encore une fois, ils savent pas faire de RP. C'est Freespell. Ils viennent de le faire à deux, là. Il y a un gars qui vient défendre, soi-disant, sa copine. Juste parce qu'il a été mis en égo. C'est énervant, quoi. Nous, on voudrait proposer... En fait, on est deux, là. On fait des vidéos, on essaye de faire des vidéos marrantes et tout sur YouTube. Et là, on se fait à chaque fois déranger, quoi. Putain, c'est incroyable. Tu peux le faire venir ou pas, et la demoiselle aussi? Il y avait aussi l'Indien qui m'accompagne, c'est mon compère. Oui, t'avais un ami, non? Ouais, il y a Jacqueline et l'autre, c'est Jojo. Et celui, il y a Goutam que tu dois faire venir, lui aussi. Il a été victime de harcèlement sur les free spells. Merci, Kikaski, pour le resub. Tu peux le switcher, s'il te plaît. Merci, en tout cas, pour ton aide. Ouais, c'est bon, je l'ai convaincu. Yesh! On est HRP, là. Ouais, on tu est... me parles HRP, ouais, c'est bon. Ouais, excusez-moi. Oh putain, je kiffe tellement faire ça, les gars. Je peux faire ça, les gars, à longueur. J'ai désolé, ça développe pas le RP, les gars, mais rien à foutre. Ah, ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Je vais lui expliquer. L'histoire. Je vais lui expliquer, okay. Donc on va voir comment ils sont en train de défendre, mais. À mon avis, c'est qui, Jacqueline? Il y a Jacqueline aussi, ouais, qui était avec lui. Ouais. Incapable de fournir une scène, quoi, c'est très grave. De toute façon, tu vas devoir te justifier sur tes free spells. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Ah, les free spells. Ouais, pour avoir défendu la demoiselle. On en parle du sorcière de... Non, mais t'as sorcière pas... Sorcière dévergondée, tu vas finir dans non, un bordel. Non, le problème, c'est que toi, tu ne réponds pas, en fait. Ah non, on l'a juste traité de sorcière, mais on est dans une école de sorciers, donc traiter quelqu'un de sorcière, c'est pas... Ouais, exactement. Mais non, mais le sorcière dévergondée, tu vas finir dans un bordel, il était pas très... Rajoute pas, s'il te plaît, il y avait juste sorcière. Non, rajoute pas. Et la demoiselle aussi, on fait une scène et elle réagit. On sent ton petit rictus en plus, hein. On l'entend, ton petit rictus, on le sent à travers le micro. Vous allez juste laisser parler. D'accord, oui, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez raconter votre version. Ouais, bah, moi, c'est très simple. En fait, on faisait une scène tranquillement. Parce que nous, on doit manifester. Parce qu'en gros, la scène, ce qui se passe, c'est que mon personnage est victime de racisme. Et on leur a simplement demandé de nous soutenir. Et au lieu de ça, remarque désobligeante. Enfin, ils ont fui. Et alors que. Enfin, non, c'est même pas qu'ils ont fui. J'ai rigolé. T'as rigolé? Parce qu'on continue de marcher. Petite remarque raciste en plus. Si, remarque raciste. Mais ensuite, c'est le freespell, quoi. Pourquoi le freespell direct, instantanément? Bon. Sachant que nous, on joue RP. Il a commencé par du freespell. Enfin, il vous a expliqué, Jojo, c'est ce qui s'est passé après. Non, lui, il t'a défendu alors que toi, t'as une bouche pour te défendre, t'es d'accord? Je te dis déjà, je suis pas petite. Calmez-vous. Donc, vous avez raconté votre histoire. Je vais le laisser finir. Bah non, oui. Moi j'ai même pas parlé encore. Il va parler, ouais. Justement, vas-y, je vous laisse. Donc voilà, ouais, donc comme il disait, on devait faire une manifestation, on a essayé de rameuter pas mal. Et en fait, c'est de là tout de suite, quand il a commencé à parler de raciste, elle s'est mise à se marrer et puis à pousser des cris un peu bizarres, j'ai pas envie de les refaire. Quoi? C'était assez raciste. Et oui. D'où est venu le mot un peu sorcière qui est sorti? Ouais, je répéterai pas tout ce qui s'est passé. Et après, ils sont partis directement dans une série de free spells. De toute façon, tu peux le voir dans les logs. Hein. Sans aucune raison, aucune scène, rien, à part se moquer, être raciste, rien d'autre, quoi. Le vide, le néant. Ah ouais, c'est vrai que je suis vachement raciste.
Du coup, est-ce que je peux t'expliquer vite fait, Estan? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, en gros, avec Jacqueline, on était tranquille en train de marcher. Les deux viennent nous voir en nous disant, ouais, on a été victime de racisme, machin. Le prof nous a viré court parce qu'on était noir, si je me trompe pas. C'est bien ça que vous aviez dit. Oui, exactement. Oui, on a été. Mon personnage a été victime. Voilà. Bien. Et donc moi, j'ai commencé à partir parce que je m'en fous de leur histoire, tu vois. Et Jacqueline est restée pour la parler. Elle est arrivée vers moi en rigolant parce que apparemment le prof leur a dit Bamboula, je veux pas de Bamboula dans mon cours. C'est bien ça que vous aviez dit. Oui, un truc dans le genre. Ouais. Voilà. Donc nous après on commence à partir et ils arrivent vers Jacqueline. Je sais plus s'ils ont commencé à dire et à un moment donné il y a un truc qui m'a fait tic, c'est espèce de sorcière des vagondés, tu vas finir dans un bordel. Là j'ai balancé un stupéfixe. Oula. Oula. C'est là-bas, hein. Le problème, c'est que pas ça, ah, c'est si, que si, tu proposes. Dit. Non, on a dit que t'étais une sorcière, oui. Mais après, j'ai pas le souvenir. Le finir dans un bordel, j'ai très bien entendu. Et encore, mais quand bien même, tu réagis avec ta bouche. Le but, c'est de faire des scènes RP. Donc pourquoi réagir en faisant un free spell sans même. Tu l'as même pas annoncé déjà dans un premier temps. Donc contraire à l'ego, au principe de l'école. Et ensuite, le faire comme ça abruptement, tu peux pas le faire ça. Tu peux pas faire ça. On attend, ça fait plusieurs fois que je suis sur serveur, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On envoie des free spells dès que tu sors de ton personnage. C'est parce que je m'attaque à cette demoiselle que forcément tu dois sortir de ton personnage. Alors je sais pas quelle est ta relation avec elle en privé, que tu dois sortir l'écrou pour la défendre. Elle peut parler elle-même, elle peut jouer sa scène tranquillement. Tiens ta baguette. Vraiment. Justement. Non, c'est pas en cohérence en fait. C'est pas cohérent en fait. Enfin, je sais pas si vous avez la conscience de vos propos aussi en fait. Mais quel. Parce que tu dis qu'on est raciste en rigolant par rapport à ce que vous avez je vu. Je fais mon premier. Je sais pas si ah merci, Kikaski. De ce que Attends. Ça veut dire finir dans un bordel. Tu peux me répéter entièrement les propos là, juste voir si tu surenchéris encore une fois sur les propos parce que. Non, les propos. Non, là je te parle juste du fait que tu disais que j'étais dévergondé et que j'allais finir dans un bordel. Voilà, tu vas finir dans un bordel. C'est les seuls propos qu'il y a eu. Oula. Ça m'étonnerait parce que je vois pas ce que ça aurait à voir dans la scène. Bah si je te dis totalement le contraire, tu surenchéris. Ça c'est bien ça le truc. Ouais, ben... Je sais pas moi. Je les comprends. Bon, non, pas. Mais ça se défie comme d'habitude. J'ai dès que ça fait les free spells, ils préfèrent. Ouais. Ils préfèrent dire, ouais, inventer des insultes, quoi. Etc. Et encore, mais bon, tu free spell quoi. Non, t'as pas free spell comme ça, Jacqueline, vraiment. Tiens, vaut mieux dire, ok, j'ai free spell, tout ça, tu te feras pas bannir. Et au moins, tu vois, on peut parler. Là, vous vous bloquez, vous racontez n'importe quoi. En fait, c'est surtout par rapport à comme ils ont dit. Ah, mais j'ai pas contredit les spells, hein. Contre eux, c'est par rapport aux propos. Mais il n'y a pas eu de propos, donc même s'il y a une vanne ou un tilt ou un truc dans le genre, même si une petite. Voilà. T'as pas à free spell, en fait, c'est ça le truc. Joue ta scène. Tiens, essaye de jouer avec ta bouche. Mais c'est dans le caractère de mon perso, justement. Lui, il parle pas. C'est juste, tu vas manquer de respect. Oui, mais tu ne freespell pas, tu joues correctement. On te demande juste ça, faire du oui, RP. Oui, bah, à ce moment-là, mon perso, c'est Tony Montana, et puis je freespell en mitrailleuse, quoi. C'est pas la peine, à ce moment-là. Du freespell, juste pour savoir. Hein. Bah, en fait, il parle pas, il produit aucune voilà, scène. Voilà, en fait, ils parlaient pas, ils ont pas répondu, en fait. Ils sont défendus de cette manière. Alors, mais certes, ok, peut-être qu'on. En fait, déjà, quand on commence à partir. Tu peux le voir dans les logs, le nombre de shorts qu'ils ont envoyés. Vous continuez à nous suivre. Ah non, on n'a pas RP, commencé à vous tu suivre. Tu produis une scène. Ah, vous nous suiviez, dis pas le contraire. On est parti, vous nous avez suivis, vous avez continué à nous parler. Bah, parce qu'on reçoit des moqueries, attends, des singeries, etc., des remarques racistes. Non, pas normal. On a rigolé, vous avez dit que j'allais finir dans un bordel. La moquerie plus qu'autre chose, arrête. On est parti, vous êtes revenu. Jacqueline, ne fais pas ça, s'il te plaît. On a bien vu, de toute façon, ce qui s'est passé. Alors, parce que moi, ce que j'avais, parce que j'ai eu le premier ticket du coup, chacun son point de vue, tu vois. Moi, je prends mal le fait que tu dis ça. Tu prends mal ce que je t'ai dit, c'est tout. Et encore, j'ai rien dit. Ah, Jojo a envoyé un ticket de free spell. Non, c'est Bakary qui l'a envoyé. Ouais, non, c'est Freespell sur les deux, ouais. Du coup, c'est à ce moment-là que je suis arrivé, et c'est là que je vous ai vu, du coup, encore les suivre, il me semble, devant Sortilège. Et après, je sais plus ce que vous avez dit. En fait, moi, je les ai, alors je vais te dire la vérité, je les ai suivis juste pour noter le pseudo, parce que j'avais pas le pseudo, et c'est pour ça que derrière, tu vois, j'ai réussi à noter Jacqueline et Jojo. Donc, je les ai suivis, effectivement, pour ça, ouais. Juste pour récupérer leur pseudonyme. Puis même, le problème reste le même, c'est de produire aucune scène. On en a déjà parlé avec d'autres admins. C'est ce qui dégoûte tout le monde, c'est que les gens envoient des spells directement sans produire aucune scène. Et ça, c'est pas acceptable. Bah, sinon, si tu veux, je peux te donner un axe de progression, moral, hein, Jacqueline. Hein. Dans ce cas-là, quand c'est comme ça, tu parles, tu réponds, fermeté, tu dis « Non, mais no way, non mais sérieusement, attends, tu crois vraiment que j'en ai à foutre de la cause noire ?» Un truc dans le genre, tu vois. Moi, ça m'aurait plu, tu vois, je me suis dit « Putain, ah ouais,
Elle a du répondant, ok, elle a du caractère. Elle a pas à freespell comme ça. Non, mais sérieux, je vais aller avec mon petit copain, on va aller... Déjà, dis pas ça. J'ai pas commencé à te freespell, hein. Si, mais tu l'as fait après, il était parti après derrière. Ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas. Il a les locks, ne mens pas. Ne mens pas devant le juge, en fait. Non, mais les gars, balancé de sort, hein. Attends, Jacqueline, le seul sort qu'elle a jeté, c'est un Atacunto quand vous êtes. Elle l'a pas annoncé en plus, tu l'as même pas annoncé. Tu l'as pas annoncé, Jacqueline, sérieux quoi. Ah, tu m'as peut-être pas entendu, mec. T'annonces pas. Non, mais en gros, elle envoie le free spell sans l'annoncer déjà, sans le dire le nom du sort. Je l'ai pas chuchoté. Qu'est-ce que t'en sais que je l'ai pas chuchoté? T'étais même pas dans ma zone, t'étais même pas juste à côté. La mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est dingue, Jacqueline. Non, mais déjà, attends, je vais vous expliquer un truc. Si nous, par exemple, dans les combats, on devait à chaque fois annoncer nos sorts, on s'en sortirait jamais. Dans un combat, là, tu nous parles d'un combat. Là, on te parle de dans les couloirs. Dans quelqu'un les couloirs. Vient faire une scène avec toi. Mais dans les couloirs, on n'était pas à faire quelque chose. T'envoies plein de sorts. Répondre, il y a un freestyle, c'est ça qui est. Speed avec. Dans les logs, tu vois bien combien de sorts ils ont envoyé, non? Ouais, vas-y, tu peux regarder. Oui. Un ou deux. Qu'est-ce qui justifie envoyer au moins 3 sorts chacun, quoi. Enfin, surtout. Ah non, Black End. C'est moi, j'en ai envoyé 3. Là, il y a de la bulle. Ah oui, 3, d'accord. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. En fait, toi, t'es dans l'abus, quoi. Non, bien sûr qu'il est dans l'abus. Elle en a fait un. Moi, j'en ai fait 3. Moi, j'en ai fait un. Toi, t'en as pris 2 de. Un de ma part. Ton pote, il en a pris 2 de ma part. Mais c'est tout. Non, il en a pris au moins 2, Bakary aussi. Donc, déjà, il y a quelque chose qui va pas. Le compte n'est pas bon. Donc, Non, il en a pris un de lui. Pour maintenir une cohérence, peut-être que ton personnage est amoureux de cette demoiselle. Il n'y a pas de souci, Jacqueline. Tu fais clairement. Ouais, alors, s'il te plaît. Attends, c'est ma copine. C'est mon crush. Je vais dans un couloir lui parler en DM tout à l'heure. Alors laisse-la tranquille, s'il te plaît. Je la trouve mignonne, etc. Laisse-la tranquille. Tu retournes à Bamako et tu nous casses pas les couilles avec ta manifestation de merde. Tu peux répondre à un truc comme ça. Moi, ça m'aurait plu, tu vois. Je me dis, putain, ah ok, d'accord, le mec, il sait jouer. Pareil, Jacqueline. Moi, ça m'intéresse pas de toucher un noir. Donc maintenant, tu dégages. No way. J'ai pas que ça à foutre de traîner avec. Du coup, vous auriez dit raciste, ça serait venu pour non, des trucs. Non, mais moi, je me serais dit, tu vois, bon, ok, qu'on serait pas venu pour ça. Chier et qu'on... Juste rire, ça le fait chier. Par nous, contre, vraiment, tout ce qui est. Là, c'est cool. Mais non, mais freespell, parce que tout ce qui est mot, on s'en fiche, c'est du RP. Tout ce qui est mot, on s'en fiche. C'est le freespell, nous, qui nous met hors de nous. C'est le freespell. C'est comme dans la vraie vie, tu vois, c'est ceux qui ont plus d'arguments, et ben, ils deviennent violents. C'est exactement pareil. Non Yannine, ce qui va se passer, violent. C'est que moi ce que je veux, à la limite, Jacqueline, écoute-moi. Moi ce que je veux, là, c'est qu'on ait en trop un terrain d'entente. J'ai pas envie que vous preniez un warn, mais par contre, faut vous excuser quoi, un minimum quoi, d'avoir free spell. Que vous me dites, ouais, ok, d'accord, ça se reproduira plus, on essaiera d'améliorer notre RP. On n'a pas free spell. C'est ça le truc que tu comprends pas. Le free spell, c'est que vous avez vraiment spam H24 sans vous. Non, vous avez envoyé un sort sans parler. Ils ont pas parlé en fait. Il n'y a pas eu de scène RP en fait. Si, ils ont parlé, j'étais là. J'ai l'impression qu'il y a pas trop de neutralité là en fait. Hein. Ah oui, non, mais c'était pas du tout un parti pris. Il y a clairement un parti pris en fait là. Il y a du semi. Non, mais c'est pas grave. Chacun de notre côté. Apparemment, l'admin ne va pas gérer ça, pas prendre ses responsabilités. C'est pas grave, il y en aura un autre qui pourra encore enfin nous aider, comme avec d'autres amis. D'habitude, on est plutôt bien reçu. Hein. Si tu veux, je m'excuse hein, pour le free spell. Voilà, le merci. Spell. Merci, pas voilà. Spell, mais non, mais je m'excuse pour le spell. Merci. Certains attaques de maintenant à toi, Jojo, et après nous on y va. Ah, mais moi je mais pas je vous mettrai pas raison non plus. Si, t'en as envoyé 3 sans raison. Je ne pas par rapport à ça. Ouais, parce que vous nous suiviez. C'était pas que sans raison. Pour moi, vous nous suiviez. Tu vois, après, je ne savais pas que tu cherchais les pseudos. Ça, j'en suis désolé. Voilà, bon, c'est bon, il est désolé, allez, on y va. Ça me suffit, merci Stone, c'est bon. Bon, bah, bon jeu à vous, hein, en espérant. Bonjour. Ah non, même pas, j'ai même pas envie de jouer avec. Mais ouais, mais du coup, si vous avez des choses, si c'est des profs qui vous insultent, des trucs comme ça, au lieu de, je sais pas, de suivre des élèves, essayez d'aller voir plutôt. Mais non, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que c'était prématuré en fait. Il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu d'RP. Mais nous, on essayait de créer une scène, Oui, mais en fait, c'est comme ça, il y en a tout le temps. Laisse tomber, Tu peux pas nous dire que notre pas original, parce que on est très original dans notre RP, donc non. Je parle pas forcément de la situation dans laquelle vous parliez, mais en général, il y a toujours des élèves qui viennent nous voir pour réclamer ça, pour avoir ça, par rapport à ce qui s'est passé, enfin des manifestations, des... Il n'y a pas de problème, Jacqueline, mais le but, c'est de jouer avec sa bouche, de préparer, enfin de... d'avoir de la répartie. Le problème, c'est que t'en manques, en fait. C'est que tu veux pas... Le but, c'est de jouer, mais c'est du replay. Mais j'ai par exemple,
Enfin, genre, vous me parlez, je rigole déjà, je fais l'effort d'écouter deux secondes, je me barre en rigolant, voilà, je vois pas où est le problème. Mais après, t'as ricané et tout, c'est... Bon, après, c'est ton RP de ricaner H24. Mais j'ai ricané juste après, je suis parti, ok. Après, le fait que vous êtes venu... non, je prends un ban direct, réagi, vous m'avez insulté directement, il a réagi. C'est tout, c'est... Mais il crève les yeux, le problème, on te l'a dit 50 fois, c'est le manque de création de scène, quoi. Tout de suite, tu fuis la scène. Au pire, on les retrouvera et on leur montrera comment on joue. Mais parce que j'avais pas envie de m'occuper d'une scène comme ça, c'est tout. On refera une scène ensemble, Jacqueline, je te montrerai quelques rudiments de RP, ouais, on va, tu verras, on va c'est pas dur. Et on essaiera de partir un peu plus. Enfin, j'ai quand même plusieurs années là, je sais comment ça se passe ici. Permets-moi de te dire que ça ne se voit absolument pas, en fait. C'est la première fois qu'on te croise déjà, donc j'ai quelques doutes. Mais c'est normal, ça fait plusieurs mois que je suis pas venue, en fait, c'est pour ça, et c'est peut-être pour ça que je venais plus oser. D'accord, ok. Bah moi, quand je te vois jouer, j'ai affaire à une novice qui ricane, qui court dans les couloirs, enfant dont dirait 12 ans. Bah non, écoute, je reviens plus aujourd'hui sur le serveur, ça fait des mois que je suis pas venue, franchement, là, ça me fait chier de revenir. Ouais, mais c'est même pas qu'ils étaient en masse RP, quoi, ils ont même pas les termes, quoi, moi, ça... Bah si t'hésites de revenir, tu sais qu'il y a d'autres joueurs qui savent beaucoup mieux jouer que toi, Jacqueline, hein, avec qui je me suis très bien entendu, des filles qui n'utilisent mais jamais leur sort. Mais je m'entends très bien avec d'autres joueurs, là c'est toi le problème en fait. Moi, je ah non, j'ai pas le problème. C'est qu'on refait un parce que là ça commence à partir sur autre chose, débattre sur... Juste des scènes comme ça, tout le monde le dira. Un petit avertissement oral et puis c'est quand même assez souvent. C'est limite, peut-être ton objectif c'est de devenir, je sais pas, peut-être pas la reine du RP, mais la reine du troll. Hein. Y a aucun souci, vas-y, fais ça. Hein. Amuse-toi à faire ton perso de gaming. Mais hein. D'où je troll, d'où Attends, faut que j'aille voir. Faut qu'il vienne sur TS pour qu'on se con. Elle d'où je troll, putain, je suis horrible. En fait, je me demande ce que les gens... Bah ça c'est fait, on a gagné. Oui, pardon Bakari, tu dis ça? Je t'ai dit, on a gagné un peu. Moi je pense qu'on est gagnant dans tous les cas. Je crois, oui. Mais on va la recroiser, on va lui montrer un peu. Oui, on va lui mettre la pression en RP, quoi. Ok, il y a 5, attends. C'est qui lui? Il y a la cour des botaniques, on va aller voir le botanique. Ah, c'est vrai, je suis là-bas, c'est en face. Excusez-moi, poussez-vous, s'il vous plaît. C'est très bien, je me pousse. Chez toi, tu te pousses, en fait, t'es un petit. Ah, mais t'es petit. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as des galions, oui, je suis petit, c'est tes premières années. Oui, j'ai des galions, pourquoi? Vous voulez me raqueter, c'est ça? Donne-les, vite tes poches. Vite tes poches, t'es dit. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Me force pas à utiliser ma petite baguette. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, il va poucave. Problème, un trop. Aidez-moi s'il vous plaît, ces étrangers veulent me racketter. Ces étrangers. Gotham, laisse-les, c'est un blanc, il est gentil. Ouais. Y'a Bakari. Hey Bakari, salut, Baka. Ça va. Salut, ça va, Alec. J'étais victime de racisme, on cherche des collègues. Mon collègue de chez. Ouais, on a vu ça. Ouais. Il faut voir le chef des mecs. La pension est très dangereuse. Oui, je crois, il est là-bas. Allons le voir et lui prendre à partie, lui dire qu'il est raciste. Allez, très bien, on y va. Putain, l'armée qu'on a mobilisée. Il faut ramener le maximum des gens. Oui, exactement, Bakari. Il est où le corps, là? Ouais, mes frères. Il est où le corps, là? Il est où? C'est assez grave. On voudrait parler au professeur qui s'est occupé d'histoire de la magie. Il est où? Allez-y. Ah, il est là-bas. Le professeur, l'extrême droite, là. La dernière fois que je l'ai vu, il était en salle de Florent, t'es la seule personne qui a osé me défendre, merci. Je voulais savoir, il est où le professeur? Il y a beaucoup d'élèves qui vont porter plainte. Non, le professeur est pas là, mais il y a le magistrat qui te cherchait, il est pour l'instant absent. On viendra te chercher quand... D'accord. Sache qu'on t'a défendu et tout, on a fait ce qu'on a pu. Il est parti, le professeur, mais quel lâche! Ouais, c'est normal. Non, il est parti, il devait faire un truc, quoi. Par contre, on se dit d'accord tout de suite, les serpentards. Vu que je suis de retour, pour un bon moment, je vais rééduquer un peu les serpentards à ma manière. Vous allez souffrir, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait, cette intrus, là? Allez, sors, c'est un discours pour les serpentards. Dégage-toi. C'est pas serpentard, dégage, petite. Donc, ce qui veut dire que, jeunes gens, je t'attends de vous en sérieux irréprochable, et si j'entends parler de vous, bah, je vous pète le nez. Ah bah, bien sûr. De toute façon, moi et Bakari, tu peux être sûr, t'entends jamais parler de nous. Nous, on est très stupides. Attends, t'es où, là? Nous, c'est l'école, les chars. Je préviens. Très bien.
Parce que je suis 6ème année. Respecte-le. Toi, t'es un petit. Je suis de retour, bon. Je suis au chômage. Donc, tu l'écoutes. Dis-moi, Bakary, il va falloir changer un truc, genre là-haut, tu vois. Là, sur ta tête. Il est plus grand. Hein, pourquoi ? C'est pas normalisé. Parce que ça. C'est normalisé, mais ça. Ça prend de la place, quoi. Ça passe. Ah, d'accord. Ok, bon, c'est carré. Mais c'est la coupe afro, j'ai africain quand même. Oui, d'accord, pas de problème. D'accord, il faut mobiliser un maximum d'élèves. Jeunes gens. Non, commence pas, sinon on va pas. Si, manifestons. Si, il faut manifester contre le racisme, contre le professeur. On veut manifester. Non, t'inquiète. Viens. Il faut avoir quelqu'un. Il faut un seul machin, lui. Non. Alors, Bakary seul et Annie. Avancez avec la main comme ça, les gars, tous ensemble. Non, moi je suis son binôme. La main. Bakary, Annie, s'il vous plaît, vous avez demandé quelque chose, quand même. Non, au professeur d'extrême droite. La gorgantine. De défense contre le sexe du mal. Oui. Nous levons la main droite contre les forces du mal, du racisme. Bakary, Annie et moi, les autres, vous allez en cours parce que vous êtes obligés d'aller en cours. Moi, je reste avec Bakary. Mais y'a pas de cours là. C'est à quelle heure les cours? Ouais, mais peu importe. T'as agressé. Il m'a fait un petit peu mal, mais bon, ça va, j'en cache. Non, c'est chaud, on va pas dire. Nous sommes non-violents. Le pouf-souffle là, excuse-moi, regarde-moi bien. Le pouf-souffle, regarde-moi bien. Est-ce que tu peux t'escamper tout de suite maintenant là, s'il te plaît? Allez. C'est mort. Oh le non-respect. Je sais pas pourquoi je. Nous levons notre point en l'air pour manifester contre les professeurs racistes et les michtos. Ouais. Bakary a fait un rêve. Isaac était pas loin, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Nous manifestons dans la paix. Le Front National est F comme fasciste et N comme nazi. Le Front National, F comme fasciste, N comme Najim. Je suis plus fixe tout le monde ou j'attends un peu encore? Le Front National, F comme fasciste, N comme Najim. Comme Najim. Le Front National, F comme fasciste, N comme Najim. Il peut rien faire contre nous. Il nous censure. Quand on lève la main, on est plus fort que lui. Il peut rien faire. Allez, dégage. Fragile, va. À côté de lui. Il fait trop l'ancien là, le blondinet, avec ta coupe toute plaquée, pleine de pelle. Quand vous levez la main, ça marche pas, c'est spell. Ça marche pas. T'as trop mis de cire ce matin. Ah merde. Non, il a tué Gotham. Il a tué Gotham. Mais Gotham. Ouais, bah là, ça commence à être compliqué. Ah, chafa. C'est quoi ce fragile là? Il fait trop l'ancien lui. Ne le suivons pas, c'est attendre au préfet. Ah, ça commence à être compliqué. J'en veux son boulot. Ouais. Ta coupe pleine de pento là. Je suis un gamin. Ah oui, c'est pas Isaac justement devant? C'est pas Isaac justement devant? Monsieur qui avait mis mon ami. C'est pas Isaac? J'ai Wingard. Tu veux que je t'éclate ou quoi? Je t'éclate, espèce de mijoré. Allez, retourne-toi là. Oui, non, mais moi je sais. Je t'éclate, pardon. Je vais en frapper un ou deux. Par contre, tu me manques pas de respect? Il y en a aucun là qui me demande de respect. Je veux Isaac, c'est Bakary qui veut te parler. Moi, le respect. Non mais Isaac fait un truc. Isaac, oh Isaac, il est beau tout nu sous la douche. Pas le sang, de l'ensemble. Gotham, attends. Je demande à tout le monde de faire. Gotham, viens en face de moi là-dessus, s'il te plaît. Il a rien fait, il est gentil. Tu crois, je vais me cacher devant toi là, blondinet. Ah, y'a quoi okay, maintenant c'est comme... Attends. Vas-y, tiens le regard. Tiens le regard. Arrête de parler, laisse-moi parler. Ah, regarde ses souliers. T'es mon cachant un gros là. Je te rappelle que je suis ton préfet. Ah, pardon. Voilà, mais c'est terrible. Actuellement, si je veux te mettre au cachant, toi et ton ami, je peux le faire. Donc à tout moment, je peux aussi. C'est mes alertes, c'est rien.
Ah, il est en roue libre. Ouais, mais chez vous aussi, vous faites trop les gens chiens avec nous. On essaie d'être bien. Et vous, l'autre, vous donnez des gens. On a été victime de racisme, mais le problème, c'est que le professeur en recherche, en fait. Justement. Laissez-moi finir. Désolé, on est un peu plus. On fait une manifestation dans la paix ou je fais engueuler. Il n'y a pas de souci. Merde. J'ai cru que c'était spongifi, je suis désolé. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait un support contre moi? Vite tes poches. Ban Inc. Ok, du coup j'ai un autre problème avec vous. Ouais. Ça fuse un petit peu. On est en RP ou on est en RP juste avant en fait. Là, là tu nous déranges vraiment sur la scène, c'est dommage toi. Ouais, bah là je suis désolé. La scène elle était bien en plus. Ah oui, putain. Ouais, mais là, ce que j'ai un problème un peu plus important, c'est des propos que vous tenez qui sont pas RP du tout. C'est-à-dire lesquels? Du style abat le Front National et le fascisme. Bah oui, bah, c'est dans le monde des moldus, oui. C'est oui. Pour combattre le racisme, ouais. Pourquoi? On fait une manifestation. C'est une manifestation, en fait, comme une autre. Enfin, je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment des propos qui sont à tenir ici. Surtout si vous êtes... Surtout. Vidéo, des choses comme ça, j'imagine. Comme vous avez dit. Oui, mais c'est en fait, c'est dans le personnage, c'est nickel, en fait. On manifeste contre le la xénophobie, également le racisme. En plus, ça fait du bien, c'est un bon message qui est passé, donc... Le fascisme existait, si existait dans l'univers d'Harry Potter, je suis au courant, mais ça existe. Hein. D'accord, mais Front National, vous savez où on est, ou hein pour en parler. Bah, le Front National, c'est Bakary le Front... vient d'un pays d'Afrique, ancienne colonie française, donc il connaît le Front National. Bah oui, il n'y a pas de problème. Justement, on envoie un bon message. Si encore il avait dit oui, vive le Front National, oui, ça pourrait poser problème, mais là, il est contre. Surtout que le Front National, c'est un parti qui existe déjà depuis les années 50-60 même. Hein. Ah ouais, on va pas te Donc l'univers d'Harry Potter, on est en plein dedans, quoi. Enfin, c'est dans les années 80-90, quoi. Donc on est bon. Ça colle pile poil en fait. Voilà, ouais, comme dit Toffy. Donc après... Comme dit Toffy, il n'y a pas de Front National en Écosse, donc c'est pas des choses que vous avez tenues ici. Mais on parle français en fait. Ouais, mais on va pas commencer à dire Britain first ou les trucs parce comme que dans ça. Ce cas-là, parce que nous on parle anglais, hein, Fred. Nous on peut faire du RP en anglais avec l'accent écossais. Hein. Ouais, à ce moment-là, ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Scotland the Brave. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez. Mais comme je dis, vous avez un lore à respecter. On a insulté qui? Non, il a dit. Non, j'ai dit, vous avez un lore à respecter. Un lore? Background. Ah, background, oui, bon, si tu veux, on le répétera pas, on trouvera un autre parti, voilà. Ou au pire, d'autres valeurs à contrer, quoi. Le lore à respecter, Dragon Lore? Du coup, si on. Il est encore là? Je le vois. Je sais pas, ouais. Bon, on changera le slogan, ouais. On peut l'adapter un peu plus à l'époque. Du coup, à la place du FN, on dit quoi, vu que c'est en Écosse? Pour toi, ça serait quoi qu'il faudrait qu'on. J'avoue. Ouais. Je sais pas, vous essayez de trouver un truc qui est en Écosse. Sorcier national, c'est bien ça. Ouais, j'avoue, bien c'est confiture. Ah bah, ouais, bah les ouais, sorciers nationaux. Ouais. Le sorcier national et. Et S ouais. Comme. Ça... Et N comme Nazim. Ouais. C'est moins, ouais, ça c'est moins chantant pas. À l'oreille, mais ça peut passer. C'est hein. Vrai que c'est moins chantant, ouais. C'était du N comme quoi Nazim. C'est bon, pour pas dire justement nazisme, on a préféré prendre un prénom, on a dit Nazim. Ouais, c'est un prénom. C'est un prénom. Très beau prénom, d'ailleurs. Merci. Bon, il faut vite qu'on mette du rythme, là, on doit retourner à la scène. Ouais, on a compris, en tout cas, désolé. La scène, là, elle est tombée à plat, quoi, par contre. Faudrait voir. On peut parler à Chapé rapidement avec mon personnage. Ouais, si on reprend dans le couloir, ouais. Au pire, on change de slogan. Ce qu'on peut faire, c'est qu'au prochain cours, on essaye de monter un comité avec des élèves serpentards. Et on voit pour faire passer un message contre le racisme. Un délégué. On peut te faire élire délégué quand on dit que t'es délégué. Et, j'avoue. Tu fais un discours devant la classe. Et... Bonne idée, ouais. Bon, vas-y, on fait ça. D'accord. Ouais. Switch nous, s'il te plaît. Merci. Bon jeu. Switch. Ouais, je veux switch. Bon, bonne administration. Bon courage. Un peu de temps.
t'es pas fait ban, j'espère. Bon, là, c'est cours de botanique, il n'y a jamais, parce que tout s'est claqué, personne n'y va, de toute façon. Mais botanique, on peut préparer des choses, quand même, on peut apprendre, non? Ouais, mais là, il n'y avait pas de prof, tout à l'heure, qu'on a... Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez nous suivre à la botte, vous êtes vraiment déterminé pour nous suivre, vous? Oui. Et toi, petit? Ouais, mais je suis pourri en RP. Ah, quoi? Ah oui, bah, rien que tu le dises comme ça, c'est bon, je vais pas te mentir, on a pas grand choix en toi en fait. C'est parfait, bouge, change rien. Je suis pas trop fort en RP, il a dit. Bon. C'est parfait, allez, toi, on y va. Toi tu vas partir en première salve. On y va. Je suis pas trop fort en RP. Il veut troll, mais il sait pas faire. Je l'ai pas entendu. Ah, pourtant, et... bah, le monsieur voilà. A dit ça dans le cachot. Hein. Je répète. Hein. Salut Morgane. Il a roté, il a été au cachot. Salut Morgane, tu te rappelles de moi? Je voulais te on dire. On se connaît Oui, ouais, on s'est croisé dans les dortoirs. Tu te rappelles? Il m'a collé pour rien. Excusez-moi, je passe, c'est pas. Alors, je vais t'expliquer, Morgane. Mais... Ça me dit rien. On a un petit problème avec un professeur. En fait, tous ces élèves-là, ils sont différents. Ils sont comme moi. Ils ont été victimes de racisme. Non, pas moi. Hein? Moi, je suis raciste parce que je suis un peu con. On a cours, les gars. On y va. Guidez-nous. Guide-nous, Morgane, s'il te plaît. Montre-nous. C'est le GFM. C'est que t'es là-bas. Par là, je suis venez. Ah, les gens. Morgane. T'as des très beaux mollets, Morgane. Tes mollets, ils sont bien beaux. Oh, c'est mollets. Ils sont un peu dodus, ils sont mignons. Mollets, hein. Ils sont mignons. Ah, non, attendez. Vous, là, les sont contents. Les gars, bien cher comme je le j'aime. J'aime bien les femmes avec les mollets bien larges, là, comme les rugby, même. Ouais, moi aussi. Non, bah, on te met, oh. C'est bien, les mollets. Les hanches sont prêtes à enfanter, t'as vu, mollets, là. J'aimerais bien les toucher. Ah, oui. Elle a des grosses hanches. Les mollets bien épilés, hein, c'est doux. Très décent. Et laissez-moi. Des voilà, installez-vous, faites comme j'aime chez vous. J'aime bien tes petits mollets de lesbiennes, j'aime bien. C'est vrai que tes mollets, ils sont un coignon. Oula. Non, on te met là. Ah, attendez, il parle japonais, ouais. C'est trop marrant. Vous êtes bizarre, là. Zonzo, watashi wa Draken Jin, yoroshiku onegaishimasu. Draken Jin Daishi no sungo wa tomatai. So desu ne. Onkazaka tame ya. Kisama da. つまか、鈴木だ。おい。グタムさん、ジャパオさん。よし。おしお、三菱さん。おい。やめてください、お兄ちゃん。ブランさん、エスタウィシャ。ナジさん。バカリー君。バカリー君。Ouais. C'est quoi que j'ai entendu là? Manger le manioc. What? Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle chinois. Manioc-san, vous avez dit là? Entre racisme-san. Manioc-kun. Oui, manioc-kun. Oh oui, professeur, ils sont en train de se pavaner là? Bordel. Nanda yo, gros porc. Nanda. Nanda yo, poussi. C'est pas bien, c'est pas bien. À l'école du FN, ce qui met le Jap. Ça oh, Weeb, confirmed. Bon, vas-y, on y va. Ça va pas le Weeb. Ah, yes. Weeb, t'es un petit Weeb. Tu regardes des mangas. Regarde les mangas, bouffon. Tu te pognettes sur des mangas avec des meufs qui se font prendre par des toches à cul et tout. Yes. Il se bat la viande. Il se bat la viande sur des hentai. Regardez-le. Montre-toi, petite mère de Jojo. Nanda yo Jojo. Elle est revenue avec ses mollets. Nanda yo Jojo Korewa. Nanda yo. Pourquoi t'es venu vers Morgane. Salut, comment se retrouve alors? Elle. Bienvenue dans le cours. Mais depuis tout à l'heure, tu as tout le monde t'explique ta douleur. Qu'est-ce qui se passe? Tu fuis. Tu fuis. Ouais, je fuis. Parle à lui. Reste ici dans ton bain. Fuis bien. C'est pas des sorts, c'est des pistolets. Bougez. Oui. Non mais elle est en mode dégondée. Oh, c'est gras. Non, je suis mauvaise humeur. Tu chies. Parle les chiens, l'autre. Non, vraiment, tu fous la haine. Ouais. Mauvaise humeur! Oh, ça fait même pas 10 minutes que je suis là, j'ai dit au cachot! C'est bon! T'as
t'as fait quoi cool. Morgan, je suis d'accord avec toi, c'est petit Jojo, il est rien dans les encore. Ce soir, Algan, je pas Morgan. Morgan, reviens avec tes mollets. Reviens, Morgan, t'es gentil, reviens. Morgan, tes gros mollets, là, viens. Morgan. Elle a pété un câble. Bonsoir. Bonsoir, Annie. On est des gars. Bonsoir. Salut, Annie. Comment tu vas depuis la dernière fois? T'es jolie, toujours. Ça va, et toi? Oui, oui, ça merci, va. Merci, merci. Je suis tombé sur Morgan, c'est une michto, vraiment très dévergondée. Elle m'a énervé. Elle est raciste, ouais, en plus. Oui, c'est vrai. Elle a guiche. Elle a guiche. Toi, t'es gentil. C'est le manioc, là. Copique. T'es la bonne copine. Audrey Kim. Le cours... Annie, tu veux pas te mettre en jupe? Ça va ou comment? Ouais, ça fait un bain. Le RP japonais en parle. Dommage que tu veux faire ton professeur, Florin. Ah oui, bon, il est le professeur. Dommage pas que monsieur Martel ne soit pas présent ici. Putain, y'a pas de professeur. J'ai trop la haine, gros. Je voulais te demander si tu connaissais pas son hibou score, des trucs comme ça pour qu'il revienne, mais... Oh, c'est ça, le whip, il a tué. Sur Discord, j'ai su, en fait. Quoi? Je l'ai su sur Discord, ouais. Comment j'ai trop la haine, j'ai perdu mon tampon dans les toilettes. Bah là, j'ai demandé s'il allait revenir, mais il m'a toujours pas répondu, donc... Pourquoi tu parles de Discord, putain? Tu niques l'immersion, t'es con ou quoi? Pourquoi tu niques l'herpé comme ça, quoi, idiot? Pire, toi, c'est en vrai, j'ai fait dans le rôle. J'en ai rien à foutre, regarde ce qu'il fait, là, putain, ça casse les couilles, sérieux. On est en Écosse, mec. Arrêtez, on est en Écosse, mec. Tu peux pas t'apprendre à niquer l'herpé. Non, mais attends, je suis en train de parler d'un. Mais je veux pas le savoir, Annie, mais pourquoi il nique notre expérience? Non, mais attends, tu saccages l'herpé, mais tu saccages l'herpé, putain. Bah alors, laissez-la parler, laissez-la parler. Parle de chouette. Je sais pas ce qui me retient d'envoyer un chouette. T'as intérêt à rien défendre, Annie, je te jure. Non, mais. Non, arrête, hein. Écoute, on s'est déjà expliqué sur le site et tout, donc calme. D'accord. Ils sont dans l'excès, c'est ouf. Non, mais d'accord, nous, je veux bien en gagner. Mais pourquoi tu défends ton pote, Draken? Il parle de Discord. C'est casse-couille, sérieux. Ça mais me fait sortir du personnage. Mais il parle de Discord, putain. De quoi? Arrête de nous critiquer. Oh là là, ils sont dans l'excès, en train de me faire chier. Mais vous calculez pas. Mais je veux pas le savoir, dans les couloirs, dans ce cas-là, vous allez me chier. Mais cassez pas les couilles. Mais on était en train de se barrer. On était en train de se barrer là. Non, non, t'as pas entendu. T'as rien entendu. Vous êtes d'accord? Vous avez entendu, les gars? Elle a niqué votre RP. Putain, allez, on se casse. Vas-y, on y va. Mais pas ça, vous gâchez l'expérience de jeu là. L'autre, il donne des chinois et tout. Ça va faire du RP ailleurs sur un autre serveur, mais pas ici. Putain, je suis à deux doigts de la snap. Bah, les gars, go la ticket, ça m'a saoulé. C'est un truc de ouf. Bon, allez, t'as donné son snap en RP, c'est quoi ça? Vas-y, vas-y. Allez, rentrez dans cette salle. Vous avez votre HRP de merde et cassez pas les couilles. C'est n'importe quoi là. Le pire, c'est même pas la faute d'Annie, c'est à l'autre guignol là. Vas-y, dégage là. Parle même pas. Mais vas-y, dégage toi. Mais arrête. Parle même pas, Annie. Comment ça, fils? Ah, mais tiens ton engage, tiens ton engage. Les gars, goal signaler les mecs. Ouais, je m'en bats les couilles. Mais arrête, je suis en live YouTube. Je suis en live YouTube. Nickel. Je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas ce que vous faites, mais vous êtes une bande de je sais pas combien. Attends. Bah on va tout expliquer. Ah non, le problème c'est qu'on va t'expliquer pourquoi on était juste rangés, que moi on et était Bakary, hein. Enfin pourquoi il y avait beaucoup de monde autour de nous parce qu'ils ont été sous l'aide. Ah non là franchement c'est la première fois que je vois ça ici, hein. Là c'est très grave quand même. Ça parle de Discord en plein RP. Non, non, mais de toute façon, elle va devoir s'expliquer, Annie. Mais le problème, c'est que c'est pas la faute d'Annie, hein, c'est surtout l'autre. Il, attends, il parle, deux secondes, il parle mais de non, Discord. Mais en fait, juste, est-ce que je peux m'expliquer juste avec Bakary en attends, deux secondes? Attends, Annie, tu vas dire. Bien sûr, mais. Ouais, pourquoi ton pote, il parle de Discord? Le début de sa phrase. C'est moi qui lui parle de Hipposcord. T'as pas entendu le début de sa phrase? Non, non, parce que tout le monde crie dans les couloirs. Bah j'ai non, si, je vous promets. Je vous promets, les gars. Yes. Mais même, ma mais je t'en veux pas. Pas de toute façon, le signalement, il est même pas contre toi, c'est contre ton pote, je te jure. Il a merdé, il a merdé. Live, mais mec, live ou pas live. T'as pas entendu le début de sa phrase. Attends, viens, deux secondes. Bah, Kéry, dis-moi, c'est qui tous les autres serpentins qui sont avec toi? On les connaît pas, c'est des mecs qui traînent avec nous parce qu'ils ont vu qu'ils voulaient rallier la cause, mais je sais pas, ils savent pas bien jouer en plus. Là, en fait, ce qu'on j'ai reproché, c'est qu'en gros, il parle de Discord, il a fait HRP, et du coup, tout le monde s'est ramené sur lui et l'a pris à partie parce qu'en gros, il est parti en HRP et c'était chiant, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on est passé en HRP aussi, du coup, on lui a dit, on lui a expliqué. Il a ruiné l'immersion, mais. En un claquement de doigts, quoi. D'accord, est-ce que je peux parler maintenant? Parce que... Ouais, attends, on s'explique, toi, c'est plus rapide.
Donc en fait, j'étais censé parler en fait en privé avec Annie, donc on était en HRP dans un coin, et ah eux, ils se sont juste ramenés, ils ont entendu t'étais pas dans un coin, t'étais dans le couloir, arrête, mais pas à nous. L'admin était là, de toute façon, il était en train de survoler, il verra bien. Je vais expliquer un truc, c'est en fait, c'est juste des gars qui sont grave dans l'excès, en fait. Ils cherchent grave un truc à dénoncer, en fait. Non, parce qu'on a eu un souci avec un prof. Bakary, je peux juste te dire un truc. Ouais, vas-y, viens, Niwa, qu'est-ce qu'il y a? Juste, franchement, là, avec tous les gens qu'il y avait, c'était vachement du harcèlement. C'est vraiment fait venir les autres personnes qui étaient là. On a rien à voir avec eux. À côté de tout le monde, tout le monde a entendu. Mais que toi, tu viens nous voir et tu nous dis, franchement, vous êtes chiants, vous cassez l'immersion et tout ça, pas de soucis. Mais que vous venez pas à 50 pour nous hurler dessus. En fait, on est venus à deux et tout le monde s'est ramené. Et forcément, ils ont été choqués par les propos. Mais ouais, mais dans ce cas-là, tu me dis, viens, on discute juste deux minutes et tu lâches tes collègues et tu viens me le dire. C'est moi j'étais choqué parce que c'est la première fois que je vois du RCP sur Harry Potter. À chaque fois je suis à fond quoi, Annie. Mais oui, mais ça arrive. Moi et Traken, on parle souvent HRP juste entre nous. Mais là, c'est pour ça que je lui disais viens, et on était Discord en train de se barrer. Parce vous que êtes... le problème c'est que dans les murs ont des oreilles, t'es d'accord avec moi. Des fois tu maîtrises pas la distance de voix. Oui, non mais d'accord, mais là on l'a Annie, pas fait Annie, et ça sert à rien nous, de se ramener à 15 minutes. On se connaît, Annie, ne joue pas la carte du harcèlement parce que voilà, hein. Non mais mec, je joue pas la carte du harcèlement, mais reconnais-le que vous êtes venu à plusieurs et c'était vachement chiant pour nous. Je suis venu, on n'est pas venu parce qu'on était. On était parler devant le juge parce. Ah ok, viens, on va parler avec. Oui, non mais toi t'es venu. Non mais il y avait 15 millions de gens qui te suivaient derrière. On rigole bien ensemble et là ça m'a juste choqué, tu vois, que ton pote. Je sais. Non, c'est juste Draken à la limite qui prenne un ward, mais Annie, faut la laisser. Finalement, Annie, elle a rien à voir. Au pire, tu et peux me mettre de à voir. Arrête de menacer de tiquer hein, comme ça et tout. Parce que moi, j'ai été très clean avec toi. C'est... On ouais, s'est ouais, déjà moi, expliqué. C'est vraiment ouais, pas de Draken. On se parlera sur Discord en privé. En fait, je... Pas de soucis, quand tu veux. Okay. De parler, dire, moi, j'ai rien du tout contre ça. Arrive à... Deux secondes, Annie. Ça arrive à tout le monde, tu vois, de parler d'un mot, tu sais, ils discutent entre eux, ça arrive de lâcher un mot, par exemple. Merci. Là, c'est une discussion HRP. Donc on peut le faire HRP même, mais là, c'est juste en fait, dans le couloir. Mais à la limite, s'ils font vraiment dans un coin éloigné, il n'y a pas de souci, mais là, il y avait trop de monde autour, c'est pour ça. Bah, dans ce cas-là, on est désolé et on fera plus attention la prochaine fois, mais pas besoin de nous agresser comme ça, nous menacer. Le mec, il s'est appelé jamais. Nous, on parlait et laissez les autres vous qui sont criez, extraliés. Vous, oui, mais après, ouais, les autres, Annie, malheureusement, vous en suivez. Je suis sorti de mon personnage, en fait, j'avoue, j'étais un peu dans l'excès. J'avais dit qu'il y a eu un crime. Je m'en veux, si tu veux, en discuter en privé, il y a pas de souci. Sois clair. Pas de soucis, ben on s'en va. Mais je t'aime bien, Annie. Hein, franchement, ton personnage, nickel. En plus, tu vas vers tout le monde, tu joues avec tout le monde, c'est cool. C'est juste que, mais ouais, oui, Draken, oui, j'ai pas sûr. Apprécié, quoi. Il parle de Discord, ça m'a. Mais Draken, ça fait un moment que je l'ai pas vu et j'avais grave envie de lui parler à chaque fois et on était en train de partir, tu vois. Et juste, nous, on n'a pas kiffé le fait qu'il y ait 15 personnes là qui vous suivent alors que vous auriez très bien pu nous prendre à part pour nous dire, vous faites chier. Bah, on a essayé là, de on vous était prendre en foule à part, c'est les autres qui ont suivi, quoi. J'adore faire le mec. Bah voilà, mais alors dans ce cas-là, vous dites aux autres de vous laisser tranquille. Sinon, ouais, non, vous avez un truc, vous entendez un mot HRP, vous vous esquivez, vous allez pas vers les personnes. Sinon, vous savez que si c'est du HRP, vous allez pas. Ouais, dedans. Mais du coup, le si HRP, on fait comment? C'est quoi la règle, la vraie règle alors, du coup? Si tu peux nous faire un point de règlement, vite fait. Qu'on sache les limites, à quel moment on a le droit. Si vraiment deux personnes s'entendent bien, ils vont dans un coin, c'est ça, super loin des autres? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, elle est désolée, Annie, elle a dit que la prochaine fois, elle s'écarte un peu plus. S'ils ont un truc rapide à se dire, ils peuvent. Tant qu'ils sont pas à excusez, Draken il est moins de bonne foi par contre, hein, parce que lui. Draken, c'est pas toi qui m'as banné sur le manioc et tout à un moment? Si, c'est excusé. Si, c'est lui. Ouais, mais j'ai aussi des blagues racistes aussi, donc au niveau ouais, des ouais, chinois. Bah, mollo quand même sur les blagues racistes, parce que moi je l'accepte quand c'est très fin, mais là c'était vraiment très lourd quoi. Donc évite la prochaine fois. T'inquiète pas. Non, mais un peu de classe, Draken quoi. Bah, tu peux présenter tes excuses, hein, Draken, t'as encore le temps. J'ai pas fait de ticket là-dessus. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, c'est-à-dire tu t'excuses ou... Non, ils sont contre-fous, je crois. Mais attends, tu veux que je me mette à genoux ou... Non, je veux juste te dire que t'es désolé non, pour non, la suite raciste un peu lourde, quoi. On est grand, tu peux parler. Je suis un connard. Ils sont grave dans l'excès, c'est un truc de ouf. Bah vas-y, on attend, oui, non, mais j'attends avant que je fasse un sur-ticket. C'est parce que eux, ils sont à fond
À fond RP, ça il faut comprendre. Nous on est moins RP que vous les gars, et on a l'habitude de venir sur ce serve et d'avoir nos petits moments HRP parce que après nous on n'est pas contre vous de prendre par la main et puis vous emmener dans notre monde aussi, quoi, que tout le monde prenne du plaisir. Oui, non mais il y a pas de souci, je le fais avec vous. Nous en fait on a des références, je sais que vous on fait du RP sur des jeux un peu plus évolués comme Red Dead, je sais pas si tu connais, sur Gmod, il y a d'autres modes aussi, et là on est très très sérieux, et c'est vrai que on n'a pas l'habitude, peut-être, il y en a qui sont pas au même niveau que nous, ça je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais juste, allez, on essaie de s'améliorer, les gars, vous êtes d'accord avec nous? Mais en fait, bien c'est sûr, parti, mais vous avez raison. C'est une petite erreur, les gars, c'est parti tellement loin, c'est inutile en fait. Ouais, je pense aussi. C'est ouais. Pas quoi, inutile, c'est toujours bien de parler. Oui, mais genre, c'est pas nécessaire en fait. Genre là, c'était pas nécessaire en fait. Genre clairement. Peut-être pas nécessaire, mais au moins les choses. En fait, à chaque fois, vous surenchérissez Bakery et Goutam. Bah on est des rôlistes, hein. On veut un serveur propre en fait. On d'accord, veut des joueurs. D'accord, mais il y a toujours des moments où il y a oui. Un mec qui va avoir peut-être une petite erreur. Vous n'êtes pas obligé de tous de chevaux le focus pour lui expliquer son erreur. Ça arrive ouais, de faire si une erreur, vous le laissez dit, dans son coin. Si personne lui dit, il saura même pas bah que ouais, la fin. Parce qu'on ne sait pas comment. Tu peux revenir à la vie. Pas débile non plus. Ouais, tu peux. J'ai jamais dit que t'étais débile. Lui faire un petit plan en jeu. Parce que c'est pas contre toi que j'en ai en fait, c'est contre mais ton non, personnage. Mais non, mais dis pas que tu l'as. Tu prends tout à cœur en plus. Non, mais il prend pas à cœur, c'est sa façon d'être. Non, mais les gars, soyez un peu plus chill. Ouais, on va être chill. On a compris. Mais d'ailleurs, on a cassé votre RP. Nous, on aimerait bien s'entendre, toi et moi. Mais t'as... En fait, t'as quel âge, Annie, juste pour savoir. Comme ça, ce que je sais que. 19. Bah voilà, moi j'ai 20 ans. Bah ok, bah on essaiera de se parler sur Discord. Mais pas de soucis, y a pas de soucis, mais soyez un peu plus chill, comprenez que bah, nous, on, quand même, on vient souvent, et on est beaucoup moins à fond dans le RP que vous, on reste okay. RP, mais on a des moments où on aime bien parler HRP, donc forcément, là, je prenais à part Draken pour parler HRP, mais voilà, ça arrivait qu'on a discuté Annie, dans le couloir, entre... on vous a dérangé, on est désolé. Mais en HRP, c'est-à-dire Draken, c'est juste un copain avec qui ouais, tu parles dans le jeu, c'est tout, vite fait un pote, non? Ouais, c'est mon sens de la veine, pourquoi ouais, c'est... Non, okay. C'est un okay. Collègue, voilà, c'est une pote, quoi. D'accord, moi, c'est... Bon, bah, on se parlera, Nani, alors, du coup. Bah, vas-y, on peut nous re-switcher. Pas de soucis, pas de soucis. Et voilà, soyez plus chill, les gars, et on se croise... Goutam, ouais, plus chill avec... Avec plaisir. Ouais, ouais je vais... Plus chill avec tout le monde, parce que c'est pas la première personne que vous agressez, hein. Si ça continue, je pense que je vous mettrai plus. Ouais, agresser, c'est un terme fort, ouais. On essaie de vraiment... Parce que je veux dire, vous voyez ce que vous faites à chaque fois, genre... Tout le temps, mais je vous retrouve un kiki pour les mêmes choses. Ouais. Et Stone, ce que je peux comprendre, c'est qu'ils veulent à fond RP. Je peux ouais, le comprendre. On a des personnages oui, en fait très bons. Nous, on a un peu niqué leur truc. Et je suis d'accord, tu vois. Mais eux, ils veulent être à fond RP. Donc forcément, quand ils voient une personne qui fait du HRP, forcément, ça leur casse les couilles. Donc je peux le comprendre, tu vois. Mais il faudrait qu'ils soient. Mais Annie, vraiment, t'as du potentiel. Bah, on discutera de toute façon sur Discord de vive voix. Très mature, Annie. Pas de soucis. En privé. Très, très mature, Annie. Je te montrerai, j'ai quelques références avec des vidéos et tout, là où je fais souvent du RP comme ça, un peu poussé. Ouais, mais y a pas de soucis. Ouais, mais voilà, comme je disais, y a toujours des endroits où il y a un peu d'HRP, mais ouais, leur rush est pas tous dessus à chaque fois. Bah, si, nous, on essaie de faire ça qu'à deux, c'est les autres qui nous ont suivis. Bah, nous, il y avait un admin qui nous disait ce qu'on faisait, c'était bien, parce que du coup, ils s'amélioraient avec nous, justement. Oui, après, vous pouvez les prendre avec vous, qui jouent avec vous, ouais, il y a voilà, aussi, ouais. Mais ouais, ne leur criez pas dessus comme vous avez fait. T'inquiète, Annie, quelque soit, on restera ensemble, tu vois, on a détruit, j'ai des idées. Pour faire vraiment bien bouger ouais, le serveur. Ouais, bah déjà, et tout. RP parlant, vous me cassez bien les couilles. Ouais. Vous êtes non, super mais chiant, sinon, là. Si, je vais faire un peu plus cool. Ah, gna. Ouais, mais ça, c'est pas un peu plus cool avec un peu RP comme vous voulez. Juste plus on de. On va mettre un peu d'eau dans le vin, comme on ça va et tout. Non, du de raisin, parce que je veux pas d'alcool, moi, de mon côté. Et ouais, quand t'as des gens du coup qui sont... T'inquiète. Quand t'as des gens qui ont peut-être des petits soucis, allez pas directement vers. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. En plus, on s'entend avec bien plaisir, avec Annie, donc ouais. Bah, bisous, allez, bisous tout le monde. Et bon jeu. Et qu'on s'amuse, c'est le fun avant tout. Ok, pareil. Je disais bis et bon jeu à toi. Oh putain. T'as besoin d'argent, toi? C'est-à-dire qu'on a vraiment géré ça comme une situation vraiment de main de maître. Je t'ai dit. Oui, c'est vrai. On est doué pour ça. Mais de toute façon, parler avec les gens, c'est toujours quelque chose de bien. Oui. Bon, on va voir là-bas ce qu'il y a.
Tofi, elle est partie dormir. Je suis pas un charreau, les gars. Vous croyez vraiment que je vais faire un retour Windows après le live et parler sur Discord et essayer de la pécho? De quoi? Salut les serpentards! Vous savez quand est-ce que les A, c'est les dîners! Si t'as besoin qu'on te. Ah non, mais écoute, oui, certes, on me protège, mais certes, on va pas m'insulter, tu vois. T'inquiète, on va te protéger. On t'a embêté, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh my god, attends! Attends, j'aime trop ta voix, toi. Elle est trop belle. Je m'appelle Bakari. Attends, mais tu t'appelles pas. Viens avec nous, viens. Elle, ça va être notre pote, elle. Chichi, viens avec nous, t'inquiète. Viens, petite fille. J'ai peur. Mais non, on est gentil. On est gentil. Non, j'ai peur. Tu es les meilleurs, toi. C'est quoi? Mais j'ai peur. L'homme noir qui est différent. Non. Ce soir, tu vas pas beaucoup faire cours. Tu vas beaucoup passer chez le directeur. Je pense que ce soir, je vais allumer un truc qui s'appelle. Les Canadiens. Chantons tous et dansez. Attends, mais qu'est-ce que je chante là? Mais attends, mais... Je chante des chips barbecue sur des doigts boudinés là. Registrus Maximus. Tu chantes, Bakari? Oui, je crois qu'on a affaire à une petite ce gros. Ça sent les chips barbecue oui, sur les doigts tout boudinés. Non, qui vous cherchez au fond du paquet. Comme ça là, les doigts tout gras. T'es petite grosse. Attendez, j'ai des problèmes de tête. Non. Je mange des biscuits avec du bon beurre. Il y a beaucoup de beurre derrière toi, non? Ah, ok, pas de beurre. Attrape les biscuits dans la mayonnaise. Tu veux pas un peu de biscuits dans la mayonnaise? Yes, j'ai des chats. No problems. Il parle de tremper des biscuits dans de la mayo, man. Ça doit être dégueulasse. C'est dégueulasse, des biscuits de la mayo. C'est bien, non, en Afrique, on fait ça quand même. Non, c'est dégueulasse. C'est quoi cette musique grotesque? Ce n'est pas dégueulasse, c'est-à-dire que ça donne vraiment l'énergie et la vitamine même. Oui, c'est vrai. Il a riche. Mais bon, c'est... C'est quoi masserpé, les gars? Un minimum de masserpé? Non, non. Enfin, dans du lait, pourquoi pas, mais dans la mayonnaise. C'est trop bon, la mayonnaise. La mayonnaise. Ils veulent me kidnapper. Mais c'est magique. Si on prend des fruits et on les trempe dans la mayonnaise, c'est bien ça? Oui, je suis trop bon. Une carotte, une banane, tout. On juge pas ça. Une carotte dans la mayonnaise. Ouais, on juge pas les goûts, mais c'est pas. Enfin, j'imagine le goût, mais ça. Ce qui met pas en arbre. Ah oui, c'est l'admin, lui, non? C'est l'admin, il est nul en rien. Ouais, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas. T'as pas besoin de lever ta main comme ça, t'es sympa. Détends-toi, petit, détends-toi. Pourquoi tu lèves ta main? Oui, t'inquiète pas, on est gentil. On est gentil, on n'est pas les professeurs, monsieur. Ouais. Pas besoin d'avoir des pages. Ouais, t'inquiète. Bon, c'est... Mais ouais, non, comme je disais, hein, c'est pas forcément... Oh, la voix monotone qu'il a, quoi. Des fruits ou des biscuits. Hein. Oh, tu danses bien, toi. On dirait un Irlandais qui danse. Oh là, j'ai l'air défoncé un peu. Moi, bon, gros bâton. Excusez. Ah, mais après... J'en ai marre. Je travaille avec les nouveaux. Wouhou. Ça, c'est l'école. Merde, j'ai oublié de remercier. Ah non, il y a Kikaski, je vais le remercier. Désolé pour mes insultes. Je suis content pour toi, Kikaski, en fait. Je vais acheter ça, message. Non, je rigole. En fait, j'ai juste dit putain. Bon, on va attendre demain les prochains cours en espérant qu'il y ait des professeurs, mon petit Bakari. On va le dîner. Allez, on va manger. C'est moi ou c'est des fucking. Ah oui, ça, je suis ça, oui. Yo. On y va. Bizarre, la petite grosse, elle suit pas. Écoute, y'a regarde de l'ambiance dans les couloirs, c'est non, mignon on ça. On dirait un e-book. Monsieur Bokassa. Ah, alors, oui, y a des salut. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ah, très bien. Eh, viens, Gotham. C'est qui lui, c'est encore qui des problèmes? C'est l'admin principal. Alors, si je me trompe pas, vous avez eu un problème tout à l'heure avec un élève de la classe en métamorphose. Oui, j'ai un problème aussi avec le professeur qui a prononcé des mots pas très gentils à mon égard, un peu de racisme, tout ça, mais... Vous savez que je vous ai envoyé des hiboux, etc. pour venir devant la classe de métamorphose pour mettre ça oui, mais en ordre, vous n'êtes jamais venu. Malheureusement, on m'a mis au cachot plusieurs reprises, donc sinon j'ai... C'est des choses qui, comme ça, j'ai... Attendez, je vais regarder les bouts. Il subit du harcèlement, vraiment. Il subit du harcèlement. Il y a déjà... C'est quoi son métier? Baguette, elle est où ma baguette? Magistrat. Ah, salut! Ah oui, mais il est con lui aussi, il m'envoie. Ah, non, est-ce que tu sais aller où ma baguette, s'il vous plaît? Parce que depuis tout à l'heure, je la cherche, il y en a qui me l'a volée. Alors.
Alors, il s'appelle Vladimir. En effet, j'ai réussi, mais à ce moment-là, j'étais à cause du professeur qui m'a mis au cachot, c'est raciste. Je n'ai pas pu venir devant la classe. Alors bon. D'accord. Il fallait le libérer directement si vous saviez. C'est beau. Pardon ? Pourquoi ne m'avez-vous pas libéré directement ? Je suis resté des heures dans le cachot. Parce que on va dire que je n'ai pas les droits de faire ça. Mais il y a ces putains de droits pour les noirs, la cause des noirs. Ils subissent du harcèlement scolaire. Juste mettre au cachot c'est et très c'est grave. Tout, je suis triste. Non, mais je suis très grave. Mettez-vous à chaque fois. Je ne peux rien faire de mieux, monsieur. Comme c'est monsieur pour les bancs, j'ai mis au cachot, je pouvais pas aller contre sa décision. Cours, je suis triste, vraiment. Pourquoi les gens n'aiment pas les noirs? Il faut créer une organisation antiraciste. France. Ouais, il a raison. Ah, mais si. Attends, Nicolas Florin. Allez voir monsieur le directeur et parlez-lui-en pour mettre ça d'accord. Matt. On n'arrive pas à le voir, le directeur, il est toujours occupé. Il a les lunettes, Nicolas Florin. Oui, je suis là. Un jour, le noir. Mais t'as un nouveau, je vous assure qu'un jour, le noir sera à la mode. Et tout le monde. Tout le monde mettra devant lui. Le mec a dit ça, ouais, c'est moi. Bah, moi, j'aime bien les noirs. C'est la vaudoire. C'est celui qui m'a fait ça. Et les marrons, comme moi, les marrons, vous aimez bien? Les marrons, les noirs, les jaunes, tout ce que... Non, c'est pas moi, il y en a un qui me connaît ici, c'est lui-là. Même les bleus, ça fait du bien entendre. Bah bien sûr que je te connais, depuis très longtemps. Après, vous avez un petit peu pas zanné, vous, monsieur. Eh, la petite, là. Il est où le concierge? Tu me fais penser à un ancien préfet Serpentard, toi. Oui, dans une autre... Par contre, je sais plus, c'était qui va vous appeler, je pense que c'était Georges... Georges de la Jungle. C'est juste que moi, je suis... Non, c'était pas Georges de la Jungle. Dans l'école qui a fusionné. C'est trop marrant ce film d'ailleurs. Il y en a un qui l'ont vu. Ok, et c'est moi le meilleur. C'était moi le plus vieux des trucs. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, vous pouvez pas fermer un peu vos bouches en tant que vous là. Merci. Attends, comment il s'appelle? Monsieur, si vous voulez. Monsieur, est-ce que vous savez s'il y a un professeur qui va décider à sortir les doigts du cul à nous faire peur? C'est pas s'il vous plaît. Il y a des chicken nuggets à manger, les gars. Bon, je disais, si vous voulez, je peux essayer d'avoir une interview avec un membre du comité pour parler du racisme. Non, mais j'étais en train de... Oui, on fait une interview avec un comité, beaucoup de gens autour de nous, oui. Avec Goutam, attends, il va s'exprimer aussi. J'ai envoyé un hibou. Un hibou. Le hibou, hein. Oui. Pouvez-vous nous faire un comité aussi, monsieur, pour que les profs arrêtent de se pavaner dans les couloirs et peut-être distribuer un petit peu de cours? Ça s'engueule pas, mais alors ça crie, c'est... Ah bah oui, quand il y a Bacaré... J'ai encore rien appris depuis que je suis ici. Ah, ils sont 50 à parler. Quand y'a Bakari dans le coin, oui, tout le monde y même bien de parler. Oui, c'est vrai. Personne ne meurt dans cette histoire. Espèce de pourriture. Oh, regarde comment j'y danse. Festa, j'ai pas envie de danser. Non, pardon, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, une demoiselle qui me regarde, elle a apprécié. Viens, on va parler. Viens, petite. Viens, je vais vous garder alors, pendant c'est que vous quoi, parlez. C'est quoi alors? Pourquoi tu m'as observé? T'as bien aimé la danse? Je t'entends pas. Tu aimes les personnes de couleur? Dégage-toi là, je suis en train de parler là. Sors dégage de là. Dégage là. Viens, ma petite. Avant que je te mette mon front dans le nez. Viens, petite. Viens. Bouge là. Viens, petite, viens. Monsieur Bokassa, venez avec moi. Mais attends, je dois parler à cette petite demoiselle. Non, j'ai appelé les journalistes. Bah, appelez les journalistes, ils viennent ici. Nous allons présenter notre nouvelle copine. Voilà, comment tu t'appelles? Bonjour. What? Ah, on t'entend. Salut, je m'appelle Bakari. Ici, c'est Gouta, mon ami. Comment tu vas? Salut Bakari. Elle est toute mignonne. Ah, t'es très avenante. Je vais bien toi. Tu as des belles. Oui, ça me fait plaisir aussi. Tu veux montrer un endroit? Oui, viens avec nous. J'arrive. Quoi? On a les doigts qui collent. Je crois que Bakari, c'est la bonne. Quoi? C'est la bonne. Tu vas voir les doigts qui collent. Ah, c'est bon, elle vient. Enfin, ça fait plaisir. Vous pouvez arrêter de suivre là comme des petits gamins que vous êtes là. Bougez là, j'ai quelque chose à dire. Fais un petit cactus sur ce gars là. Attends.
Je vais vous tiquer tuche. Toi, je t'ai vu derrière la fontaine. Arrête de faire. Dégage. Putain, il casse les couilles. Attends, on fait comment déjà? Dégage ou je te flippente. Toi aussi, Steve, tu peux partir là, ils doivent parler en privé. Non, s'il te plaît. Non, j'aime bien cette fontaine. Tiens, ta fontaine. Danche la fontaine. T'es sérieux là? Tu me forces à danser? Ça va partir en couille là, hein. C'est mort. Thomas Baguette. Bougez là, bougez. Comment ça, ça te stalk? Ouais, je suis en live, je suis en stream et c'est relou quoi. En fait, il y a Goutam avec moi et une demoiselle. Ah. On s'est écarté plusieurs fois dans des. Ouais, il y a plein de trois mecs qui, à chaque fois, qui trottent autour, c'est relou quoi. Est-ce que tu peux t'en occuper? Ok. Merci, c'est gentil. Re-switch-moi dans la scène, tu verras, je t'expliquerai. Enfin, tu comprendras vite. Ok. Tu es au niveau de la fontaine avec la fille et mon compère de RP. Ok, très bien. Pardon? Pardon? C'est bon, c'est bon. Viens, ça va être réglé, viens. C'est bon, j'ai fait un ticketus. Pardon? J'arrive, Baka. Mais c'est qui elle? Elle me connaît ou pas? Je vous parle. Oui, pardon. C'est bon, j'ai prévu les autres instants. Pourquoi vous jetez un sort sur moi? Ils ne viendront pas nous voir et nous parler. J'ai pas fait exprès, monsieur. J'essayais le carpe. On est tranquille ici. C'est lui. Dis-moi, Bakar. Il m'a jeté un sort de danse sous prétexte que... Monsieur, il arrête pas de nous embêter. On essaie de parler. Je voulais te dire que c'est la première fois que j'ai vu une première année qui est gentille. Je lui ai demandé trois fois de partir. Il reste pas. Je lui ai juste fait danser pour qu'il nous laisse tranquille. Monsieur Goutam, vous êtes en quelle année? Avec insistance, j'avais jamais fait ça. Et vous, monsieur Peral? Troisième année. Interviens. Je suis toute gênée, Bakari. Mais ne sois pas gênée, moi aussi, ça me fait bizarre. Je suis un peu timide aussi. Je suis intimidée, Bakari. Mais pourquoi t'es intimidée? T'as les cheveux tout frisés. Tu peux mettre la main dans mes cheveux, tu verras, ça fait des drôles de sensations. Tu peux toucher. Mais non, Bakari qui va connaître l'amour. Tu peux te faire un brushing? Oui, tu peux tout faire. Tu peux faire un brushing avec mes cheveux. Vas-y. Oh. J'aime bien ton pull vert. Et moi, j'aime bien tes cheveux. Je peux toucher, ils sont lisses. Tu vois, Goutam, ça me fait bizarre dans mon cœur. Je n'ai jamais ressenti ça, même en Afrique. C'est l'amour. J'ai des passions dans le ventre. C'est vrai? Elle est amoureuse de toi aussi. Mais non. Il y a des pervers dans les buissons, je les vois d'ici. Ils ont envie de voir si jamais vous vous touchez. Ça me fait tout bizarre dans mon corps. C'est la première fois que je ressens ça. C'est quoi ton prénom? Explique ce que ça te fait. Je m'appelle Yeva. Enchantée, Yeva. J'aime beaucoup ton prénom, Bakari. Merci. Les gens ici, des fois, ils me disent « C'est quoi ce nom d'Afrique? Tant d'étrangers, je suis un peu mal vu, mais je suis content d'être... » Tu peux bouger, s'il te plaît, je suis en train de parler, merci. Pas du tout, moi j'adore les Africains. Pourquoi? C'est vrai? Parce qu'ils sont en train de me parler, t'es pas voulu ici, tu dégages avec ta tête de schlag avant que je me vénère maintenant, t'es un petit, tu bouges. Pourquoi regarde, tout le monde nous suit? Moi je m'appelle, je t'ai jamais vu la bouche. Bouge en dessous là. Bakari, on doit les chasser. Bouge avant que je te vide les poches. C'est bon, Goutam va s'en occuper. Bouge avant que je te vide les poches. Bakari. Laisse-moi tranquille, dégage. Attends, je vais m'en charger les gars, Bakari. Je vais m'en occuper. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose, Bakari. Bakari, je voulais te dire un truc. Mais tu veux rien dire là, casse-toi de là. Mmh. Putain, qu'est-ce que... Parlez mieux ou je fais un ticket, par contre. On devrait écouter ce qu'il a à nous dire. Je ne crois pas. Il est pas intéressant. Yeva, regarde-moi. Bakari. Tu es d'où? Je jure. Non, hop. Putain, casse les couilles, l'autre. Bakari, je t'ai mal sucé, excuse-moi. Je jure. Putain, il casse les... C'est faites bon, Yeva, je vais pouvoir me confier la chandelle. À toi. Couvre-nous, Goutam, il va se passer des choses. Ouais, allez, ouais. Yeva.
Je voulais te dire que je ressens quelque chose de très fort pour toi. Tu peux tenir ma main? Merci. Tu as les mains douces. C'est ça quand on touche une blanche? C'est donc ça. J'aimerais que tu viennes dans ma jungle, au Cameroun. Tu vas tellement aimer voyager avec moi. Les sourcils doux. Je sais que je peux te, que je te plais, on se plaît, on restera ensemble. Ma peau n'est pas sec. Non, elle est toute douce. Et tu comptes faire quoi après quand tu auras fini à Poudlard? Moi, je te propose de me suivre. Ouais. Je te suis. T'as entendu, Goutam? Moi, je vais conclure maintenant chez la maman. Je peux te filmer. On devrait partir dans un coin plus intime pour se confier l'un à l'autre. Viens non dans les buissons ici. Comme si... Tu moi, regardes moi, pas, j'entends Goutam. Rien, moi. Viens ici. Je te prends. Je te prends dans mes bras. Je t'ai fait un petit bisou. C'est pour toi, ma petite Eva. Je t'aime. Tu me trouves belle. Je belle t'ai Bakary. Oui, tu es une belle blanche. Je t'aime beaucoup. Est-ce que tu me gnonies? Est-ce que tu me gnoques? Moi, je te gnoque et je te gnonie. C'est bon, Goutam, j'ai fait ce que j'ai fait. Désormais, c'est ma petite copine. C'est bon. Vous avez les doigts qui collent et tout, là, la totale. Oui, j'ai fait les bisous. Elle a accepté. Pas chouchou après, Bak. Eva, tu as quel âge? Elle n'a pas répondu? Mais non, c'est normal, c'est l'amour. C'était bon, Bok Bok. Et là, elle dit 11 ans. Qui, même vous là? Pourquoi tu viens me coller comme ça? Si elle dit 12 ans, les gars, je livre le stream pendant au moins une semaine. T'as vu, c'est ma copine, putain, j'ai trouvé la femme! T'excites pas trop, tu sais ce qu'elles ont tendance à faire dans cette école. Oui, je me rappelle avec copine, une autre fille, oui. On l'a vu te sauter en baguette. Donc maintenant, il va falloir la surveiller. Oui, j'aurais dû t'écouter. Tu le sentais pas, j'irai en plus, tu l'avais renifler. Dit. Et elle, bah oui, je vais aller renifler chez culotte. Goutam, tu la sens bien, tu penses qu'elle sera fidèle ou alors c'est une sombre pute? Je sais pas, elle est mystérieuse. Ça peut être une sombre pute comme ça peut être une fille bain. Il faut l'analyser un peu plus. Elle est si blanche et si douce. C'est vrai qu'elle est bien blanche. T'as vu, t'as eu le temps de la sentir un peu, elles sont bonnes, hein? Oui, j'ai senti pendant que tu parlais, je chantais. Ça chantait bon. D'accord, t'es bien, on y va. Or, n'hésite pas à la surveiller. Pose-la à l'œil maintenant. C'est qui ce petit pige là? Ah, c'est l'heure du cours, salut. Alors, les losers. J'ai la tête d'être une prof. Ça va, ça va. Bah, vous pouvez faire prof intermittent en attendant. Moi, je suis un gagnant et toi aussi. Je suis pas professeur, je suis désolée. Tu sais, tu sais comment tu peux devenir une gagnante? Oui, vas-y, dis-moi. En sortant avec Goutam, parce que je suis un gagnant et Goutam, je vais découvrir ma gagne sur toi. Toi et moi, on va être des gagnants. On va faire tes bébés métiches. Vraiment... Ça va être super bon. Restez avec Goutam. Hélène, je le descends maintenant ou ça se passe comment? Je suis désolée. Pourquoi tu lèves ta baguette, toi? Et tu vois bien que Goutam, il est en train de parler à la fille.
Non, je comprends, les jalouses. Des jalouses ou quoi, Emilia? Petite jalouse. Bougez tous les deux. Petit chaton. Tous les deux, vous voilà, bon toutou, elle te dit. Emilia, c'est quoi? C'est ta meuf ou quoi? Tu fais le chijot avec elle pour être comme ça? Emilia, tu baisses ta baguette de suite. Voilà, baisse ta baguette, écoute. Oh, griffon d'or, défonce-la. Jette un sort. Emilia, elle va pas la répéter trois fois. Mais bon, demande une fois, deux fois, et un troisième. Je suis fier de toi, t'as révélé tes sentiments? C'est des malades. Je l'aime pas, c'est juste je voulais essayer. Je la connais même pas, cette meuf. Et pourquoi t'as des lunettes? D'accord, mais elle a le bâton rouge. Qui dit bâton rouge dit on va s'amuser la nuit avec elle. Mais t'as un jean, c'est pas la tenue. Elle a déjà un mec, c'est la galère. Ah merde. Hey, il veut quoi le... Hey, regardez le geek. Regardez ce gros patapou. Regarde ses bides. Il joue à WoW. Alors toi. Oh là là, alors toi. Alors là, les gars, on est d'accord. Encore les autres, c'était pas mérité. Mais là. Alors là. Oh putain. Oh là là. Attends. Goutam, viens. Hurricane, viens sur. Ah oui, il est là. Encore, ouais, non, mais là, Fritowski, franchement, c'est grave mérité. Il a même pas parlé une seule fois. Je le termine, je le bouffe la gueule. Oh, je vais le terminer devant l'admin. Oui, bonsoir. Ouais, le gars, le gros là. Tu sais que c'était un, il m'a mis un coup de bâton rouge sans parler, toi aussi? De quoi? J'ai pas compris, pardon. Je me suis fait cache-tête par le gros là que t'as traité ouais, de geek. Moi aussi, là, je suis au coup. Ah ouais, mais Gothic et tu, ça, à foison là. Ah, c'est déjà fait là, il y en a déjà deux qui sont envoyés. Ah, dès que t'es pris, tu me dis, qui me switch, moi aussi, attends. Attends, je renvoie un autre. Et j'ai l'impression qu'il en a un peu marre des notes, en fait. Attends, c'était quoi son pseudo, Pascal? Oh, c'est bon, c'est pris par Ellen Kedwood, c'est bon. Oh, ça va être gavage. Oh putain, on va se régaler, gavage. Lui, par contre, encore les autres, tu vois, on était, tu vois, semi-légit. Bon, il a pas dit un mot. Je suis désolé, on est gagnant, là. Attends. Ouais, pardon, tu m'entends? Ah, j'ai réglé le problème. Je lui ai parlé en RP et je lui ai expliqué le problème qu'il avait pas de. Mais oui, mais en fait, il parle même pas. On était en train de faire une belle scène et le non, gars. T'inquiète. Je lui ai expliqué et je lui ai parlé HRP dans un coin. Ok, parce que moi, je l'aurais bien éduqué aussi HRP. Hein. Mais en tout cas, merci Hélène. Ravi de te connaître. Hélène reste, aucun souci. C'est gentil. Donc, du coup, je sors de la. C'est. Il y a une meuf qui... Attends, ouais, elle est avec moi, là. Ouais, elle t'a parlé aussi? Ah, putain. Elle s'en parle. Je crois qu'il en a pris pour son garde, le petit gros. Yesh, le gros geek. Oui, le gros geek. Merci. Merci, c'est gentil, bonne journée. Je commets en page droit. Putain, c'est trop bien. Cette voix, attends... Privilégiée, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle a assisté, elle était en spec. Tu crois qu'elle était en spec sur nous et elle a vu en direct le truc là? Je pense. Hein. C'était la meuf à qui j'avais parlé juste avant là. Attends, c'est pas la meuf qui est sur plus. Attends, c'est pas. Et la meuf qui nous a joué, là, qui a fait la meuf, là, ma petite amie. C'est pas une des modos, tu penses? C'est pas, c'était bizarre, non? Elle était grave avenante. Non, c'était la meuf, celle que j'ai fait genre draguer là, je crois que c'était elle, non? Parce que ça s'appelait Hélène, je crois, je sais plus. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment elle a dit ouais, ah oui, peut-être, je sais pas, ouais. Du coup, mais non, parce qu'elle s'appelait Hélène? Celle qui disait ouais, tu sors ta baguette. Ouais. Ok. Ça s'appelait pas Hélène, hein? Je sais plus. Je sais pas, je pense pas. Oui, c'est celle à qui Goutam a parlé. Ah, ok. Ouais, elle avait une bonne voix, ouais. Très fait. Oh! T'es trop fort! Ma chambre d'eau. Comment ça se fait que t'as une baguette rouge? Excuse-moi, Hélène. Hélène, on peut parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Viens, on va parler avec toi, oui. Yesh. T'as du charisme sur RP Potter, perso moi au cachot, bah les couilles j'aurais 50 ans. Ah ouais? Tu trouves que mon perso c'est intestable les gars? Je garde Bakary à vie? Qui est ici? On viendra pas voir. Ouais, parfait. Parfait. Ok, qu'y a-t-il? Bah voilà Hélène, je vais pas te mentir, ça fait quelques semaines que j'étais un peu... T'avais un copain, mais est-ce que c'est vraiment sérieux avec ton copain? Parce que voilà, moi, tu sais, je suis fils de Maracha, j'ai beaucoup d'argent, je peux te faire mener une vie de rêve. L'argent, pourquoi pas, je suis un boloche. Pas vraiment,
Ouais, mais ton copain, tu sais ce qu'ils disent dans les couloirs sur ton copain? Vas-y, tu me vois. Il va faire les courses de balai tout nu. Il se met le balai dans les fesses, tout ça. Il fait les courses de balai comme ça, c'est dégueulasse. Et vestiaire, genre, ça pue la mort. Tout le monde dit, il pue la mort, il se lave pas. Il est dégueulasse, il se broche même pas les dents. Tu mérites pas un mec dégueulasse comme ça. Moi, je suis propre, moi. Moi, je suis très propre. Je me lave au savon tous les jours devant le bidet. Il est propre, je confirme. Il est plaît. Il sent bon. Chut, s'il te plaît, Hélène, mets-toi avec moi, juste en échelle. Mon copain est ton préfet, enfin c'est ton préfet, mon copain c'est Mathis Brown. C'est l'autre blondinet là? Non, pas le blondinet, le blondinet on s'en fout. Ah, le blondinet ça allait encore. Non, c'est l'autre, et lui il fait pitié. Un derka. Ouais, mais tout le monde se fout de sa gueule, il est dégueulasse. On l'a vu sous la douche, il a dit à tout le monde non, c'est parce que l'eau elle est froide. Il a fait un tout petit pénis, tout petit, tout dégueulasse. Il y avait que du casque, il n'y avait même pas du bout, il n'y avait que le casque. Ah ouais, on est sous les poils, on ne voyait rien. On a rigolé, qu'est-ce qu'on a rigolé? Il disait non, l'eau elle est froide, tout ça. Mixé Derka et Bakar, un Barkar il vénère, ouais, je peux le faire si vous voulez. Goutam. Goutam, vraiment. Goutam, il est monté comme un shish kebab. Goutam, c'est un mec bien. Je m'en fiche que tu sois monté ou je m'en fiche que tu sois venu. Oui, il y a de l'amour derrière, il y a vraiment les sentiments. Il pense vraiment ce qu'il dit, c'est vrai? Ouais. T'es la plus belle de toute l'école. C'est très gentil. C'est vrai qu'elle est jolie avec les yeux comme ça, là, c'est vraiment bien, on dirait des petites billes. En plus, le problème, c'est que je peux pas rompre. Ta voix, elle m'enchore chelle. Mais si tu peux rompre, tu annules tout. Annule tout et tu parles avec lui en Inde. Tu sais que t'es vraiment une sorcière, tu sais pourquoi? Parce que ta voix, elle m'enchore chelle. Waouh, est-ce que tu m'aimes? C'est trop mignon. Et j'ai t'as le moral au cœur aussi, c'est ça? Oui. Ça te dirait pas juste déjà, je fréquente un peu, on fait pas encore des bisous, tout ça, juste, tu viens avec moi au vestiaire, on lit des livres ensemble, tout ça, dans, tout ça, quoi, on commence à faire connaissance, tranquille, après, si tu veux me friendzone, tu me friendzone, mais déjà, on peut essayer, tu peux pas dire non sans avoir goûté à Goutam. Alors, je te propose une proposition, parce que j'aime beaucoup mon copain, yes. Mais on peut être amis. Ouais. On peut être amis. Ouais, on peut commencer à être amis, après, tout ça. J'ai connu un gars qui a été ami, après il a avancé. Après il a, oui. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé qu'une fois j'étais friendzone. Après la meuf elle a commencé à bien apprendre à me connaître, tout ça. Un soir elle était fatiguée, son copain il l'avait quitté. J'étais l'épaule sur qui elle a pu pleurer. Et après, il se faisait un entraînant et un autre, tout ça. Je ne veux pas tous les détails, mais ça s'est super bien fini pour moi. Pourtant, mais alors pourquoi t'es plus avec? Parce que c'était pas une fille qui convenait, tu vois, et depuis je t'ai vu, donc je l'ai tout de suite oublié dès que je t'ai vu marcher dans le couloir. Le temps, il s'est arrêté. C'est comme si il y a un carpe retractum entre toi et moi. Tu comprends? Ah, oui, je comprends parfaitement. Et... Mais là, il est rétracte, c'est bon. Mais après, il peut dérétracte, hein. C'est bien. Là, il est fort quand il détracte. Ouais. Il détracte. Écoute, pour moi, rester ami Goutam, d'accord? Parce que bon, ça fait à peine quelques minutes que tu m'as rencontré, donc c'est un peu bizarre. Bon, mais il a le cœur comme ça emballé, c'est normal. Ça fait que je t'observe. Ouais. Je suis venu fouiller dans tes affaires, dans ton vaisseau. Non, ça t'oublie. Ça, c'est... Ouais, enfin, oui, bref. Oui, t'as été dans le vestiaire des Quidditch, t'as fouillé. C'est trop bien, Jordre, avec des filles de 12 ans, on s'éclate. Pardon? Ouais, dans tes livres, ouais. Ouais, juste les livres. Pas les chaussettes, les trucs comme ça, tout ça, c'est pas mon genre. C'est que dans mon dortoir, il y a accès. Ouais, je suis pas rentré dans le dortoir le jour où j'étais férié, qu'il y avait personne dans l'école, à part moi, parce que moi, je suis un... Attendez. Ah, putain, excellent. Banane, je l'ai caché, je suis rentré, j'ai vu les petites chaussettes, les petites culottes, j'ai comme... Enfin, bref, vas-y, on mange ensemble ce soir. Aucun souci, d'accord. Enfin, plutôt demain matin, du coup. Ouais, qu'est-ce que tu veux manger? Des petits naans, des chapatis? Vas-y, fais-moi découvrir ta culture. Bien, yeah, je vais te faire découvrir ma culture, Hélène. T'inquiète même pas. Nourriture, hein. Je parle de nourriture, je parle pas d'autre chose. Hein. Moi aussi, je parle de nourriture. C'est parfait, alors. Yes. Ah, bien joué, Goutam, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as mis? J'étais impressionné, vraiment. Yes, yeah, t'inquiète. C'est trop fort. T'inquiète même pas. J'entends Regarde, encore. Elle arrive même pas à me quitter des jeux. Elle est sous le charme.
Ah oui, yes. oui, dans les gomba, pitié. Si je prends pas un bain dans le Gange avec elle de minuit. Yes, yeah. Dans les Ganges, à plus tard, Hélène. À plus tard. Tu vois, elle a même pas eu peur quand je lui ai dit que j'ai reniflé. C'est trop bien, Peter. Moi, j'ai une copine. Toi, t'as une copine. On pourra faire double date au resto. J'ai pas encore fait, mais si on approche. Si on approche. De toute façon, dans tous les cas, sinon, je fais une potion qui l'a fait dormir. Enfin, bref, ça, et là, on va sortir nos mangas, là, bientôt. Exactement. Elle va goûter les... elle va goûter les deux chamochats de Goutam. Pour combien tu goûtes les deux chamochats de Goutam? Oh, j'aurais dû lui dire ça. Elle va goûter tout. Elle va tout goûter avec la chutney. Elle va tremper le chutney. Avec le chutney, oui. Le tamarine sauce. Le tamarine. Elle va adorer ça. Oh, la coquine. Voilà. Ah, purifier, ça va être bien. Mais vraiment, c'est une journée vraiment agréable. Je t'ai dit. Oui, c'est vrai, c'est agréable. Tu vas boire son lacis. Tout. Oh non, mais pas eux. Marcel, oui, son petit lacis rouge. T'es nouveau amoureux. Oh non. Quand on dépose la valise. Regarde-moi ce clochard qui vient d'arriver. Marcel, victime, vas-y. Je suis sûr, il a dit que sa grand-mère lui a fait. Viens, Marcel. Oh, fermez vos bouches là. Viens, Marcel. Toi, tu prends pour qui, toi, avec ta queue de cheval? Ferme ta bouche, t'es dit. Pars bien, je te coupe tes cheveux là. Le couille triangulaire. Oui, allez, s'en fout d'eux là. Ce n'est quoi ça, putain. Ouais, je deviens même. Vous êtes mauvais. Ouais, t'inquiète, c'est normal. C'est toi un cerf d'aigle. C'est ça la race de cerf d'aigle. Le petit blondinet. Va mettre ton veste là. Là, t'es en dire un clochard là, putain. Ouais, tu vas choper un rhume. Va vendre des Velux là avec ton tête. Je te jure, on dirait un VRP. Yes. Il travaille chez Verichur. Allez, dégage. Trop mignon, c'est petit gros. Salut, gros. Salut, petit gros. Alors, petit gros. C'est Vito, c'est pas petit gros. Ah, mais c'est Vito. Ah, c'est Vito. Bah ouais, c'est moi. Putain, Vito, ça fait tellement longtemps. T'étais où? T'étais caché sous ton matelas avec les chips. Ah non, j'étais en maison de correction. Qu'est-ce qu'il fout là, Choupa? Quoi? Que je t'ai fait? En maison de... C'est Choupa, ouais. On fait les bêtises. Vas-y, du genre, vas-y, dis-nous. T'as fait du mal? T'as mangé dans la réserve. T'as pu manger? Moi, pas que ça, j'ai mangé les... aussi, hein. Bah, j'ai testé là une fille et après bah les parents ils ont découvert. Du coup ils m'ont envoyé en maison de correction. Attends, t'as eu les doigts qui collent, c'est ça que t'es en train de dire? Avec une fille? Moi c'était plus un garçon. Quoi? Quoi? Enfin bref, vous faites quoi là? Vous avez grandi, vous êtes contre combien d'années? Deux après les prochains cours. Ben moi je suis en 13e année moi. On est 3e année. Moi j'ai loupé une année, je suis encore en deuxième. Bah c'est ça, tu te concentres trop sur la bouffe. Tu restes je sais même pas si je suis entraîné avec nous. C'est trop bien Harry Potter. Je sais même pas si je suis encore faire des sorts. Ça fait longtemps. Pensez qu'un jour ils vont sortir un vrai jeu RP Harry Potter, les gars. Avec des beaux graphismes. Oh. Ah, j'aimerais tellement même laisser un des anneaux, je kifferais tellement. Pas dire, il a l'air claqué ton char. Moi. Attends. Vito. Je sais qu'on a... Nous, on a trouvé nos petites amies. Il faut trouver toi une petite copine, toi. Viens. Ouais, on va trouver une. Attends, je vais te présenter ma chérie. Je vais te la présenter. Coucou, chérie. Je te présente mon ami Vito. Hein? Moi, j'étais pas là. J'étais... Bébé, tu es là. Ma petite Eva, tu es là. Bon, là, elle est un peu dans ses pensées. C'est une rêveuse. Mais t'inquiète pas, elle va répondre après. Oh, il y a des loups dehors. Venez, on va les voir. Ouais, mais... Je suis là. Ah, je te présente mon ami, il est arrivé, il était en maison de correction, là, il va bien. Il s'appelle Vito. Vito, je te présente ma chérie. Elle s'appelle Eva, c'est ma petite amie. Ouais, elle est toute petite, c'est une première année. Il manque pas de respect, Vito. Moi, elle a quel âge? T'as quel âge, Maïva? Il les aime bien un peu plus jeunes, Carré. Il aime bien quand ils sont un peu plus jeunes, Bakari. Moi, j'aime bien quand c'est petit comme ça. C'est vraiment mignon. Je peux amener comme ça, la faire grandir dans mon pays. Eva, tu viens? J'arrive. Mais c'est qui, lui? Eva, tu mais comment, là. C'est qui, ça? Attends, c'est quoi, ça? Attends, comment on fait?
Hein, t'es qui toi là? T'es qui toi? Eh, dégage là, c'est ma femme ça. Putain. C'est pas ta femme. Si. Bakari, je te présente mon deuxième petit ami. Mais quoi, hein? Mais j'ai pas signé ça là, c'est quoi ça là? Mais je suis pas d'accord. Mais. Eh, écoute-moi, les Bakari, pour une fois, on est d'accord, toi et moi. Écoute-moi, petit blanc, maintenant tu t'écartes. La femme là, c'est à moi ça. Yéva, arrête. T'es raciste? T'es raciste? Je suis pas raciste, je suis noir. Toi, t'es blanc, c'est normal, c'est comme ça la vie. Ouais, mais pourquoi tu me traites de petit blanc? Parce que t'es petit et t'es blanc aussi. Fais pas ton petit blanc avec le privilège de blanc. Oui, mais t'es ma petite femme. Oh mon dieu, vous êtes raciste. Fais pas le petit privilège de blanc. Pourquoi tu restes avec lui là, putain? Mais fais pas ça là, je suis énervé là. Pose un genou à terre devant Bakari. Fais bisous, Yéva, fais bisous là dans la joue. Fais bisous. Non, pas du tout, Goutam. Benji bye. Fais le bisou. Benji bye. Yéva, fais le bisou. Non, c'est parce que sur mon carnet de liaison, il y a une. Benjou. C'est Benjabi, c'est parce qu'il y a une faute sur mon carnet de liaison. C'est ma meuf, putain, je suis parti en égo. Oh, c'est ma meuf. Arrête de rigoler comme ça, tu me mets mal à la lèche. Benji, bye. Vas-y, commence pas à faire le fou, toi. Tu veux faire le fou avec moi? Vite tes poches maintenant, petit. Vite ok, c'est bon. C'est bon, à chaque fois qu'il prend mon goûter. Vas-y, bâton. On doit mettre les choses au point, vraiment. Yéva, viens. Bouge. Je comprends pas ça. Je suis perturbé, je suis énervé. Yéva, je suis là. Yéva, viens. Laisse-les avoir de la relation, les attends. Dis-moi la vérité, c'est qui c'est rigolo, là, putain? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis énervé là. C'est mon deuxième petit ami. Mais pourquoi tu fais ça? Ça n'existe pas. Ça là. Attends, elle a dit que c'était... Non, vas-y, t'en veux même pas. C'est une pute. C'est une pute, Bakari. C'est une libertine. Elle collectionne les baguettes, la chalope. Elle les collectionne. Non, pleure pas, Bakari, t'as pas eu le temps de t'attacher. C'est comme si tu l'avais déjà oublié. Je vais t'en trouver une, moi. Moi, je vais t'en trouver une, moi. Une papute, elle, c'est une méga pute. C'est une pute. Non, pleure pas, Bakari. C'est pas grave. Attends, je suis l'alarme. Sorte à jour. Voilà, Bakari. J'avais trouvé la seule femme qui j'aimais, elle était jolie, elle était si blanche et douce. Une pute. Mais tu dis ça à chaque fois. Mais je t'ai une pute. De toute façon, il y a que des blanches ici. On va te trouver une blanche. Non. Pas comme ça. Bakari, là. On va te trouver. Vas-y, parle pas comme ça aussi. Il est en plein chagrin d'amour. Vous faites harceler? Non, il est en chagrin d'amour. Ah. Sa meuf, c'était une pute. Hey, monsieur, attendez, j'ai une idée de malade. Vous allez trouver une fille. Dites-moi. Vu que vous avez de l'autorité, vous l'emmenez dans la pièce là-bas et on la fait rejoindre. Pourquoi il pleure? Mais si, après Bakari, il vient la rejoindre pour parler. Fais-moi un câlin, petit gros. Vas-y, ben bouge alors. Bouge. Comment tu me parles? Fais-moi le câlin. Non, mais je parlais pas à vous, monsieur. Vous êtes fou, quoi. Moulin, bâton. Y'a pas une partie d'échecs Dégage, ton connard. Moi, je vous prends aux échecs. Qui veut jouer aux échecs? Moi, je te prends aux échecs. Allez, viens. Mais pourquoi après, il vient? Ah, il va lui mettre un doigt dans le péteux. Yesh. Vito, je sais plus quoi faire. Koubakar. Non, mais t'inquiète pas. Attends, je vais trouver Fab. T'as même pas eu le temps d'avoir les doigts qui collent avec elle. Donc, tu peux pas dire que tu t'es attaché à ce point. C'est bon, elle arrive, elle a dit, elle va faire gâterie. Ouais, mais attends, toi. C'est quoi ton délire de. Dis-moi la de relation à plusieurs mecs là. Je te trompe pas, j'ai juste deux petits copains, c'est tout. Non mais ça arrive pas, ça, t'as vu ça où toi? C'est des relations libres, je suis heureuse avec lui, tu sais. Ouais, t'es une libertine. Non, Goutam, je crois que ça s'appelle la polygamie comme dans le pays de Bakari. Mais pourquoi ils font pour la Bakari, exactement. Mais pourquoi ils font pour la femme aussi? Mais c'est que les hommes normalement. C'est non, la Bakari, rivière, quoi. J'aime les Africains parce qu'ils sont libres, ils ont plusieurs femmes. Moi aussi j'ai plusieurs hommes, c'est comme ça. Ça veut dire que... Comment on va faire alors? Je vais devoir te partager. J'ai fait comment? Lundi, mardi, mercredi? Non, t'abaisse pas ça, Bakari. Salut, gros porc. Salut. Comment on fait un jour sur deux? Dégage le binoclard, si tu veux pas que je te mette un coup de pied marteau. Ça veut dire que j'aurai jamais l'occasion de mettre...
utiliser ma baguette avec toi? Mais mec, mais il y a le truc de bidet, hein. Bah, moi qui pensais ça, t'es tout à l'heure, tu meurs. Tu meurs, t'en sais tout, tu meurs, t'en sais tout. T'agages, ou je te calme, les tactons. Dégage là, binoclar. Koutam, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Hâte de faire la racailleuse. Lance-toi un sort d'oubliette. Un admin! Un admin, un admin, un admin! Au secours, un admin! Pourquoi elle voilà. Dit ça? Parce que je lui ai mis à distance à l'autre. Mais pourquoi? Peut-être, ouais, c'est une seule question. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? C'est devenu dangereux Vito, ici, Bakari. Dis-moi, Vito, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer l'histoire d'amour, me partager avec un autre homme? Ou alors la prendre dans entre quatre murs et lui faire du sale? Ou alors l'oublier? Envoyez-moi un flipendo. Je pense qu'il faut aller péter la gueule à son copain. Envoyez-moi un flipendo dans la bouche. Je suis bloqué. Ah, salut, Yasmin. Ça va, Bakari? Envoie-moi un flipendo. Yasmin, je vais te présenter mes amis. Envoyez un flipendo là, Goutam là, dépêchez-vous. Voilà. Oh, viens Yasmin, je vais te présenter. Bakari, c'est Yasmin, c'est ma copine. Mais comment tu as fait pour trouver rapidement Après, la femme là? Il a déjà une meuf lui. Ouais. Oui, mais elle est de mèche. Oui. Il voulait être troll, mais il te donne du contenu de ouf. Ah, ok. Bonjour Yasmin. Ouais, ça a pas marché leur troll. Bonjour Yasmin. Salut. Par contre, Gotham, désolé, mais y'a Qu'est-ce qu'il y a dans ta petite valise? Il y a des objets, hein? Tu as mis le cadenas? Tu vas nous mettre des petits objets avec le cadenas. La cadena. Encore les serpentins. Yasmin, sur ta valise, y'a un cadenas. Tu veux toi? Attends, Gotham, mais Bakari venait. Bakari, moi je pense qu'il faut que tu t'affirmes en tant qu'homme, et je pense qu'il faut que tu essaies de deviner c'est qui c'est le copain, et on va le voir et on lui dit, on lui pète la gueule, on est de deuxième année. Voilà, bah tu lui dis, maintenant tu la quittes, tu la quittes, sinon on te pète ta baguette, on te la casse en deux ta baguette, et du coup il va la quitter, et du coup tu l'auras que pour toi. Eh ouais, malin le Vito. Ouais, mais vu que c'est une chalope, elle va aller chercher un autre mec, je suis sûr. Vous voulez pas que je dise devant tout le monde, vous voulez pas que je la largue devant tout le monde, je lui dis, toi espèce de petit pute. Si, ça c'est mieux. Comme ça je garde voilà, mon honneur, ça, c'est mieux. Et là, je pars bon vainqueur comme un prince. Là t'es un bonhomme. Ouais. Je fais quoi les gars? Parce que ça c'est le genre de meuf, elle va collectionner les baguettes, mais vraiment, des baguettes toutes les couleurs. Ah oui, il a raison. C'est pour ça qu'elle a vous dit oui, j'aime bien les Africains, tout ça. Elle veut une couleur de chaque baguette. Dans deux jours, elle va venir vers moi parce que j'ai une baguette marron. Elle va aller voir Vito parce qu'il a une baguette épaisse et graisseuse, c'est sûr. D'accord. Ah mais attends, mais Bakari, t'avais pas ses cheveux comme ça avant? J'ai poussé un peu. Attendez, on a cours d'astronomie, on y va là. Dans quelle salle? Hé, Koutam, t'as des bons sorts maintenant, toi, ou pas? T'as quoi ouais, comme ça? Ça va, je sais pas. Ouais, je vais quitter en prince, le mec. Ouais, mais t'as Excusez-moi, vu. Excusez-moi, c'est où les cours d'astronomie? Le plus fort dans la gueule. Le cours? Je sais pas. Bien si, moi, j'ai tiré. D'accord, merci. Je sais pas. C'est qui, Koutam? T'as Sabine. Viens en cours d'astronomie, suis-moi. Va au fond et après à gauche. Où tu en es? Viens, tu vas où je suis via le stream? Attends, merde, je sais pas si tu m'entends. Il y a pas cours, il y a pas de prof. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a jamais cours, putain, ici dans cette école de merde! Attends, deux secondes. Ah, elle va faire prof. Écoute, j'essaie de voir si peut type. Y avoir des professeurs. Hélène, fais-moi ce plaisir. Je sais que tu es très compétente. Quoi? Fais les profs. Non, hors de question. C'est hors de question. Fais les profs un peu, toi. T'es compétente, hein? Non. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Hélène, vraiment ou quoi? T'en dis quoi? Ça va bien. Ça dit quoi, là? Ça va, on est posé. Confiance en tes compétences. Je sais que tu as le pouvoir. Tu as la pédagogie en toi. On sort de là, on n'a pas le droit d'être là normalement, allez, on sort de là. C'est le cours d'astronomie, il y a pas de cours. J'ai fait le cours, c'est bon. Très bien.
Ah, ils faisaient une rangée, une halle d'honneur. Ils faisaient ça avec le bras. Quand ils sont en chantard, on ne sent pas bocher. Pas... Est-ce qu'il parlait allemand? Oui. Ah. Putain, mais je suis un crevard, je ne gagne que là. C'est lui, mon cœur. Est-ce qu'on a le droit de tendre la main droite comme ça vers le ciel? On peut? Ah, toi aussi, t'es des nôtres. Elle est des nôtres. Ouais, alors je te présente mon copain, Suleiman. Salut. Ça va? Mais c'est un petit noir, ça. C'est quoi ça? C'est lui, ton mec? Oui, c'est lui. Bon. Enfin, c'est attends, tu veux ami. Pas de Gotham? Et tu veux ce vieux mec là? Il est mais c'est un petit nain ça, il a rien dans le. Mais qu'est-ce que. Alors, par contre, tes petits potes t'ont baissé d'un ton, ok? Tu vas rien faire du tout, toi. Rien faire du vas-y, Hélène, lève le bras. Eh, alors, écoute pas bien. Eh, fais pas le show parce que ta cravate prend ton bras. Lève le bras, les gars, regardez, c'est une des nôtres. Lève le bras, Hélène. Je vais te tondre. Fais pas le show, moi je vais te tondre. Fermez-la, mettez du respect devant Hélène. Ce soir au pouvoir. Pourquoi tu répètes? En plus, je suis un gamin, il répète ce que j'ai fait. Fais-nous le cours, Hélène, fais-nous le cours. Hélène, ton mec, c'est un gamin. Britannique. C'est pas mon copain, c'est mon meilleur ami. De toute façon, Hélène, c'est sûr que tu vas tomber amoureux de moi. C'est ton confident, c'est ton confident. Je te décharge, sort de lui dessus et tout. Donc, il viendra déjeuner avec nous demain. Bon alors, Gotham, je veux pas de lui, je l'aime pas. Je vais licher. Moi aussi, visible. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige. Hélène. 8 chèvres, 3 pandas et 2 ferme là, dis-toi, tu diriges personne. Sur le sexe du mal tout à l'heure. Vito, tu as le potentiel pour diriger ce sexe du mal. Avec le volet montaculeux et imposer tes idées. Fais-le. Il n'y a pas de soucis. Hélène, viens là, c'est moi, je te vois. Ah, les gars, je suis convoqué à la direction. C'est bon, je viens d'acheter Hélène, Bakari. Monte, Bakari. Voilà, en fait. Ça va. Bon, on va se casser. Il n'y a pas de cours, là. C'est chiant. T'es là? Tu m'entends? Ouais. Ouais, s'il n'y a pas de cours, là... Golive, hein. Ouais, on... Dommage. Ouais, mais c'est chiant à chaque fois, là. Et en plus, on est là, je suis venu plus tôt que d'habitude et... Dégage, toi, là! C'est qui, elle? Comment? C'est qui, la fille? Bon... Vito, mon petit Vito, je crois qu'on va décrocher, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, cette école de merde, il n'y a que des pus qui nous provoquent. Je sais pas pourquoi. Lui, depuis le début, il fait comme suivre, lui. Lui, c'est un stalkeriste Nazux, depuis le début, il me suit. Écoute-moi bien, fils de chien, dégage, t'as dit, recule. Les ordres. Dégage, voilà, bon toutou, ça. Livreur des pédis. Mais je crois que c'est un ultra. Mais comment? On pourrait s'en servir, remarque. Hein. On pourrait l'envoyer en première ligne sur un truc. Oui, il faut insulter quelqu'un à notre place. Oui, c'est bien ça. J'attends que ça, moi. Ah, d'accord, on va servir. Ouais, c'est bon, on a un allié avec nous. Ok, alors tu vas insulter. Attends. Gotham, il faut un surveillant. Il faut un surveillant, moi, je suis chaud patate, moi. Est-ce qu'il y a des stalkeries ici? Il y a des stalkeries avec nous? Prêts à partir en première ligne? Levez la main. Levez les bras. Ok, c'est bon. Ouais, ok, très bien. On a une vraie armée là. Et Gotham, on va chercher. Ouais. On va chercher un petit surveillant, on va le mettre cher. Ouais, venez, suivez-moi, on fait le tour. On y va. J'ai quelqu'un. Ok. Allez, go. On va mettre un négo, on va le terminer. Vous allez l'insulter, le prendre comme ça là, le retourner. Ouais, j'avoue, on fait ça. On fait ça, les mecs. Ridge, oh là, putain, voilà, ça va être énorme. Oh là là. Oh putain. J'ai encore fait inquiéter. Jacqueline, les gars. Focus Jacqueline. Mais non. Jacqueline, les gars. Focus Jacqueline. Jacqueline, Gotham. Dépêche-toi là. Vite. Allez. Mets tes poches, on lève le bras. Comment se retrouve Jacqueline? J'espère que tu as compris la leçon, ça va? Attendez, on va voir si elle a compris. Bon, voici la goûter, mais ça va, ça va. Toi, dégage la grosse dinde. T'embête pas, mon copain. Eh, pompe-moi la bite, grosse salope. Le respect, voilà. Mec. Allez-y, à l'attaque. Voilà. Stalkeruche, attaqueuche.
Ta mère, c'est mon clébard qui la tronche. Vous voyez, pardon. Qui les racailles. Les racailles de serpentard, regardez-les. Non, c'est les racailles, ça. Oh les racailles. J'ai vu sous la jupe qui je pâche, que je pâche. Oh non. J'ai vu sous la jupe quand elle est tombée, j'ai vu sous la jupe. Racaille de Poudlard. Pourquoi tu es là? Je vais t'apprendre un peu à gérer. Et ce ne soit pas comme une racaille. Putain, ça pue le foutre. On dirait c'est que toi tu. Qui la bouche. Quoi, hein. Rends ta baguette. Je vais voir le cadenas. Attends, c'est qui est où? Attends, attends. Tu combats ou quoi? T'es où? T'es où? Je sais pas, t'es toi, elle est passée où? Je sais pas où elle s'est barrée. Vas-y, faut trouver un autre. Stalkery sur rapport, venez. C'est Gary Bobby. Tu veux faire quoi, hein? Tu vas m'envoyer des ballons sur moi? Il faut trouver. Non, il faut trouver un autre sur. Attends, c'était qui était en Lego tout à l'heure? Faut prendre un mec qui a un bâton. Celui qui faisait le japonais là. Ouais, mais il avait pas le bâton lui si. Oh, ils sont. Attends, là, eux ils ont des bâtons. Attends, ils ont des bâtons, ouais. Attends. Mm-hmm. Oh, y a Draken aussi en plus. Drakenjin, go termine Drakenjin les gars, go termine Drakenjin. Plutôt on va au ministère, mais c'est... Salut, tout se passe bien ouais, ici. Bah, on attend les prochains cours avec. Ouais, je pense bien. Avec ouais. Assiduité, nous allons participer. Allons-y. Ouais, je suis un peu occupé, Bakary, tu permets. Là, oula, t'as une petite forme là, oula, calme-toi, c'est bon, t'as rien fait, petit. Tu veux du sucre? Tu veux du sucre? Non, mais là. Je suis un peu rempli de sang, si vous voyez pas, donc. Permettez, j'ai un peu de. Tu veux un morceau de sucre? Rempli de sang. T'as c'est règles. Un vampire. Il a ses règles. Il a ses règles. Vite, viens, on va au ministère. Elle a les grosses fesses, Annie. Ouais, bon, ah ouais, mais il y a Annie, merde. Annie, elle est cool, attends. Draken. Toi, tu es plutôt skinny, Bakary. Skinny. Draken, attends, Draken. Draken, alors. Ouais. On attend moins ta grande gueule quand t'es tout seul, hein, petite victime. Ouais, j'ai pas peur de vous savez très bien, les gars. Je vous prends quand vous voulez. Tu vas rien faire. Non, les petites baffes. T'as même pas de bâton rouge, bouffon. Par contre, on a pas de stalker. Ils sont passés où tous les stalkers? Eh, fais attention comment tu me parles. Gros porc. Excuse-moi, il est où Gotham? Il est là, mon petit Gotham. Ah, t'es intéressé par les Gotham. Je te présente mon vrai petit ami, Mathis Brown. Ah! Ok, toi. Écoute-moi celui bien, qui t'a toi. Dit qu'il est ouais, tu vas quitter Hélène tout de suite, sinon je te cache en deux. Chez ma femme, chez la femme de ma vie. Chez moi, j'ai reniflé chez culotte. Fais pas le fou avec moi, en fait. Regarde-moi bien dans les yeux. Je vais devenir ton pire ennemi. Je vais te nuire. J'aurai qu'un but dans ma vie, c'est avec ton tête de coton-tige, là. Ça sera le seul but de ma vie, c'est de tenir. Allez-y, les stalkers, allez-y, les stalkers. Pourquoi t'as caché au Vito, sa fille de pute? Encore, les gars, encore. Envoyez une fournée, les gars. Mais pourquoi tu réagis comme ça, hein? Merci. T'es trop un amour. Bon, j'ai le dispo. Ton vieux mec. Ah non, t'es là. Bon. Du coup, on en dit où là? C'est son mec, je crois. Gotham, je sais pas si on peut faire quelque chose. Non, vas-y, en vrai, tu sais quoi? Je te propose. C'est le fondat. Vas-y, hein. Propose toujours. C'est le fondat attends, en plus. Attends, je vais m'écarter un peu du magistrat, je vais chuchoter. Ah ouais, elle sort avec le fondat, quoi. Ok. Combat-toi hein, comme un homme. Pas de baguette, rien du tout. Vas-y, pas de soucis, Je vais te gonfler. Oh putain, il faut qu'il le défonce, non? Merde. Ah, combat au point. Combat au point? Ouais, je sais pas, il me dit combat au point. Peut-être qu'il y a moyen de faire ça. Tu me dis quand ça commence. Adieu, je vais gagner ma meuf. Attends, t'es où? Merde, vous êtes passé où? J'ai pas vu. Pour l'instant, on est vers la salle métamorphose, là. C'est le long couloir. Métamorphose... Ah, vous êtes allé au fond, à gauche? Non, vous êtes pas là. Ah, c'est bon, on t'attend. Tu sais, fais comme si t'allais à DCFM là. DCFM, c'est où ça, DCFM? Je vois Histoire Magie, Sortilège. Non, de l'autre côté. Il va aller, il vient c'est chercher. Où, DCFM, ouais, c'est où DCFM? C'est où truc, je pense. Ah, c'est lui là. Viens, suis-moi, Bakary. Ah, c'est bon. Fight round one. Je gagne. Hélène, elle est à moi. Vas-y, y'a pas de pro. On serait que ça comme bah, c'est autres. Le fondat, les gars, donc. Ouais, mais est-ce que Hélène, elle peut venir participer, enfin, regarder, quoi? Parce que si je gagne, je veux quand même voir un vainqueur. Ça va être super, les gars. Je rends rien au pire. Faut lui dire de regarder. Moi, tu veux venir tout de suite, là. Envoie les habos.
ça direct. Je vais mettre ça direct. En attendant si c'est ouvert. Je vais mettre ça direct. C'est fort probable que ce soit fermé. The Gale Theme, ça va avec tout. Ouah, la salle de combat. Alors, combat ou point, t'as dit? J'ai le droit d'utiliser la ligne de combat? Vous commencez quand? Yes. Attends que ma dulcinée arrive, qu'elle voit à quel point son vieux mec, je vais lui enfoncer le nez dans le visage. Avec ta tête de beau gosse, là, hein? T'as pas peur de prendre... qu'on te casse le nez? Ça va te faire bizarre, là. Je te jure, tu vas être tout moche après. Ah, oui, alors, regarde bien ce qui va... Hélène, tu vas ça voir. Ça va devenir sérieux, Hélène. Celui qui gagnera, il te méritera. Ouais. Tu vas voir le vrai. Normalement, celui allez, qui gagne, j'ai confiance en Mathis. Mathis, j'ai t'as confiance dit quoi, en toi. Mathis? Normalement, sur toi, t'as de quoi faire. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Tu me dis quand t'es prêt. Allez Bakari, allez Goutam, défonce le sac. Fais la Hadouken. Hadouken. Comme Goken. Arrête de fuir celle-là. Oh non. Je crois que c'est bon, le oh non. Oh non. Qu'est-ce que vous avez fait à Goutam? Bon, il a ramassé le sol, quoi, c'est tout. Non, non, il est où? Bah, l'infirmerie. Je suis sûr que tu as triché. C'est pas normal, ça. Bah, c'est normal, je suis en 7ème année, c'est logique que j'ai plus de muscles. Ou peut-être qu'il sait juste pas se battre aussi, je sais pas. Tu vas les regretter, Hélène. Pourquoi tu l'as pas pris? C'était l'homme de ta vie. Il y avait des feelings, il y avait tout. Il était gentil. C'est lui l'homme de ma vie. C'est lui l'homme de ma alors, vie. Prouvez-le-moi. Faites-vous les bisous. Bah... sur la bouche. C'est sur la bouche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est cringe quand même que tu demandes ça. Demande, faites-le deux fois devant moi. J'aime bien voir. Oh non, je suis un peu timide. Déjà un bisou, c'est suffisant, hein. Bon, c'est pas grave. C'est suffisant, Bakary. D'accord, très bien. Ok, moi j'ai vu alors. Bon, il fallait au dortoir. Comment ça, t'es bien? Très bien ou t'es bien? Non, j'ai vu, non, j'ai bien vu, c'est bon. Fais les bisous. C'est quoi, c'est un four, ça? C'est la machine de couleur, t'inquiète pas. T'es où? T'es passé où? Bon, je reviens à la salle. Mais attends, il est en mode. Il faut que tu me ramènes Goutam, il est où là? Ah, t'es là. Il est là, Goutam. Je suis là. Vas-y, c'est bon. Barre-toi, toi. Barre-toi, c'est dégage, bon. Là. C'est humiliant pour lui. Dégage. Barre-toi, là. Arrête de rire, là, en plus, je dégage. Bouge pas deux secondes. T'as deux secondes plus que moi, là. Je te le remets, voilà, nickel. Vas-y, remue le couteau dans la paix. J'espère que tu vas bien la traiter, Hélène. Non, je rends-la heureuse au moins. Dans la paix, je remue dans la paix. Putain, je les ai vus, ils ont fait le bisou. Quoi? Ah, vas-y, putain, vas-y, ça me dégoûte. École de merde, y'a pas de prof. Le t-shirt, ma meuf, il me défauche la gueule. Vas-y, ça me dégoûte. Moi, ma meuf, elle me trompe avec 40 mecs, j'en ai marre. Putain, j'ai mais y'a que jamais... des meufs comme ça ici. C'est quoi cette mentalité? Je vais retourner en Afrique. Je préfère limite me taper une pygmée que de rester ici. Vous allez voir. Je vais aller dans la forêt, écoute, je te jure. Ah. Je suis bâtard. On te laisse du coup, Kaizen. Il l'a vraiment embrassé. On est pas dans le même dortoir. Il a fait deux fois le bisou, la fille. Elle a avancé d'elle-même. Elle a donné même le bisou. J'étais choqué. À demain. Au revoir, Kaizen. Il a mis la langue. À demain. Oui. À demain. La fille a mis la langue avec beaucoup d'expérience. Allez, dans le dortoir. Ah la chaleur. Allez, dans le dortoir. Allez. Ta gueule, toi. Ta gueule, j'ai ta mère. Monsieur Brown, vous avez entendu ça? Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Comme un petit griffon de lumière. Vous faites les anciens, là. Bah,
Vous croyez supérieur à vos avec vos Bakary, Bakary, Bakary. Toujours dans les ennuis, mon petit Bakary. Bakary, mon ref. Écoute, madame Terra, rendez-vous ma chérie, mon ex. Bakary. Dis-lui que je la quitte. Bakary. Cette pue. Bakary. Oh, et Mathis, fais quelque chose. Mon ref. Salut, je crois. Ah bon, ref. Qu'est-ce qu'il y a? Bakary, elle a fait le bon choix, Bakary. Elle a fait le bon choix. C'est bien, dégage, toi. Dégage avec ton prépu, laisse-moi tranquille maintenant. Ouais, Bakary, tu es triste. Je suis pas triste, je suis énervé. Vous... Je vais... Si tu te vois dehors tout seul là avec Goutam, on va te casser ton gueule. Allez, dégage maintenant. Ouais, on va te vider tes poches, on va te cacher en deux, tu vas voir. Bakary, Bakary, écoute-moi. Vous avez droit, le j'ai peut-être une solution. Ça sert à rien. Attendez, j'ai peut-être une solution. Ça sert à rien de me violenter, Bakary. Est-ce que vous connaissez le libertinage? Bon, messieurs dames. Attends, c'est Greg. Le libertinage? Chamailler pour... Oui, le libertinage, monsieur. Mais monsieur, c'est Bakary, c'est Bakary. Pas grand-chose. C'est Bakary, il est violent. Il est violent avec tout le monde, Bakary. Monsieur Ron, s'il te plaît, tu vois pas que je m'explique? Je vais partir en HRP, c'est ton enculé. Je suis ton préfet. Oui, libertinage, comme j'expliquais. Vas-y, casse-toi, de me stalker. On a compris que tu voulais passer sur le stream. Vas-y, dégage, George Russell. Je m'en bats les couilles, tu fais de la scène de merde. Vas-y, casse-toi. Quel stream? J'en ai rien à foutre, dégage! Dégage, t'arrêtes pas de me... Attends, c'était quoi son pseudo? Rien à foutre. J'en ai rien à foutre, mais lui aussi, mais lui le même. Et t'as entendu, il y avait Greg aussi. Ouais, j'ai vu. Ah t'as vu, t'as mis un message là. Ils ont dit quoi après? J'ai pas entendu. Rien, personne a parlé, là. Il vient juste te dire qu'il te libère dans une minute, Lani. Stalker... Il s'appelait comment? Greg qui... Putain, Greg il m'a tué. T'as entendu ce qu'il dit? Ouais, il parlait de liberté. J'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là ça fait depuis une demi-heure, une heure là, qu'il arrête pas d'être sur mes pattes l'autre, parce que je suis en stream. C'est chiant à la fin quoi. Le George Russell, ouais. Avec son micro de merde, il fait exprès en plus. Ok, ça marche. Je vais le... Non, mais qui s'écarte, à chaque fois il se rapproche de moi. En plus, son micro il sature et ça casse les oreilles à tout le monde. Je vais le voir. Merci gros, c'est gentil. C'est vrai, il y a l'admin qui a parlé, il a dit je vais le voir. Ah, ils m'ont libéré, c'est nice. Que tu mets... Non mais qu'il le banne quoi. Non mais ça fait, là ça se voyait qu'il stalkait. En plus il a tu sais que le mec c'est ils m'ont dit dans le chat hein. En gros je crois qu'ils sont ensemble avec la meuf. Ils ont fait ça Zarma pour nous troll entre guillemets, tu vois. Bah nous on s'en fout, nous on joue la scène, tu vois. Claqué, quoi. C'était pourri, t'as vu. Et genre la meuf elle a dit, après elle a fait le reveal, ouais j'ai deux bonsoir mecs. Bonsoir à tous chers élèves de Serpentard. Salut. Yesh, bonsoir. Bonsoir. Oh les bons du monde. Yasmine, c'est normal, c'est... Excuse-moi de te redéranger, là il est AFK, si t'as encore le même problème, tu peux faire un ticket, ça marche. Voilà, il fait AFK, la technique et tout, putain il est relou quoi. Si là il est AFK, je peux rien faire, mais il y a encore le même problème, n'hésite pas et je viendrai directement voir. C'est gentil, bah, parce que c'est chiant quoi, il a un micro, encore il jouait normal, mais il a un micro qui sature et c'est horrible quoi pour nos oreilles. Je vais voir ça. Et en fait il force à venir alors que je lui dis dégage. Non mais y a pas de souci. Il peut venir là ou pas? Essaye de faire un ticket. Bah là il est AFK du coup, mais essaye de faire un ticket et Il dit qu'il est AFK maintenant. Je ferai un ticket quand il reviendra forcer. Ouais, voilà. Ok. Exact. Pas de souci. Comme ouais, ça voilà. Tu peux voir direct en direct. Roleplay, merci. Et, bon stream à toi. Merci, c'est gentil. Je compte. Il est parti AFK ce bâtard. Putain la technique. En gros, ah, elle a pas été con. Ouais, en gros, c'est trop simple. Tu te mets AFK, mais jamais les admins ils vont. Ah ouais, ils ont trouvé le truc en fait. Dès que toi tu t'es vénère, tout ça, il a déco direct le mec, je crois. Ah. Parce qu'il savait qu'il a. Non, mais là il s'est mis en AFK donc peut-être. Ouais, ou il s'est mis en AFK direct, mais tu sais, il a disparu en même temps. Putain, la technique d'AFK quand même c'est fort. Hein, parce que t'as vu tout à l'heure aussi, il y avait un mec qui s'est mis AFK et ça a mis du temps. Ah bah, il s'est. George Russell, il est au cachot là. Ah, dommage. Bah dès le début, t'étais là ou pas? Dès le début il venait vers nous. Il disait Bakary, à chaque fois il venait vers nous. Il cassait les couilles avec son micro de merde en plus. C'est au tableau ou pas?
Oh, il est trop chiant, quoi. Tellement.